Bonsoir. Kiwi. Comment allez-vous? Comment vas-tu, mon bon Fred? Et ça va, tu es? Ben ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Coucou Kerr, coucou Léla, coucou Bastien, coucou tout le monde. Comment allez-vous? C'est bien Kerr, il faut danser. En vrai, je vous le dis, j'ai un coup de barre énorme, donc il faut que je me réveille. Vous en faites pas, ça va le faire. Je peux lui lancer un seau d'eau froide sur la tête. Oh, quelle mauvaise idée, pardon. Puis un seau d'eau chaude, comme ça, ça fait un choc thermique. Ah putain, ouais, bah, attends, déjà, un seau d'eau froide, ça fera un choc thermique, hein. T'as pas besoin de mettre de l'eau chaude, peinture. Voilà. Mais je suis... J'essaye de me mettre en forme. Voilà. Terrible. T'es pris un coup de barre de poster? Alors non, mais sachez que, vous voyez, là, du coup, il en manque un. Parce que c'en était un que j'avais recollé, et qui du coup est retombé. Donc le Rayman là, il est retombé. Il a niqué ma plainte. C'est-à-dire que maintenant il y a un trou dans ma plainte. J'espère que ma mère ne la prendra jamais. Voilà, je crois que tu as gueulé assez fort, c'est bon. Non, ça va parce qu'elle écoute pas, et en vrai elle est à l'autre bout de l'appart, donc quand je parle comme ça, tout va bien. C'est là qu'elle débarque, elle fait « Comment ça t'as niqué la plainte ?» Enfin bon. Voilà, voilà. Et tout va bien. Donc du coup, bah, ça fait des trous partout. Là, il y a un trou. J'aime pas, il y a des trous. Des trous, des petits trous, des petits trous. En fait, c'est pas une arnaque Displate, mais je pense que quand si tu nettoies mal ton mur, quelle arnaque, le mur d'Élise. Ouais, c'est ça déjà. Hein. Toi qui voulais pas faire des trous, c'est vrai. Hein. Élise est morte ce soir, merci King. Comment tu vas? Non mais en fait, vous voyez là, les 4 qui restent, elles tiennent très bien. Je pense que c'est juste, je devais mal avoir mis l'espèce de petit autocollant marron, ou je devais mal avoir nettoyé le mur, j'en sais rien. Ou j'ai pas dû attendre que le mur soit assez sec, j'en ai pas la moindre putain d'idée. Mais bref, 2 sur 6, je dirais que c'est un bon ratio. Voilà. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que figurez-vous que pour racheter de ces machins là chez Displate, pour en avoir 3, ça coûte 12 balles. Comment vous dire? Ils se mouchent pas du coude, les bâtards. Voilà. Faut lécher le mur, alors. Attends, c'est la technologie avancée. Un papier sur un mur. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est bien foutu, tu vois. Parce que vraiment, ils se sont décollés plusieurs fois. Même s'ils étaient collés sur la jointure de deux lettres tapisserie, bah, ça a pas niqué la tapisserie, tu vois. Ça, c'est beau. T'as pas appuyé assez fort sur l'aimant pour le coller? Si, parce que regarde, l'aimant il est toujours collé au papier. J'ai replié le papier là, mais l'aimant est toujours collé au papier. C'est le papier qui s'est décollé, pas l'aimant. Voilà. Eh bah écoute, je vais bien, King, merci beaucoup. Ouais, et je t'en sur prie. Ça coûte des charmes. Non, parce que c'est pas ceux du bas, c'est ceux du haut. Et je veux bien que mon chat soit con, mais il est pas allé chercher ceux du haut. Il a sniffé ceux du bas, mais pas ceux du haut. Ah, c'est la faute des chats, c'est. Il m'a tordu une plaque en plus, cet enfoiré. Enfin, il m'a retordu une plaque qui était déjà tordue. Donc Bon, il est mignon. Il est très con, mais il est mignon. Donc voilà. Donc je pense que je vais bah, racheter des petits papiers là, nettoyer correctement le mur, les recoller, et on verra if it works. Et si if it works pas, et bah je trouverai des affiches nulles à coller, des trucs avec de la pâte à fixe. Parce que Théma, j'ai de la pâte à fixe. Voilà. Et puis après, le problème, c'est qu'il faudra que j'empêche mon chat d'aller manger la pâte à fixe. Mais ça, c'est un détail. Voilà. J'ai un chat complètement con. Ok, vous étiez pas au courant. Mais les chats sont forcément complètement cons, non? Non, pas forcément. J'avais un chat qui était super intelligent. Genre vraiment, c'était un génie. Un génie du mal. Voilà. Ma grand-mère, par exemple, elle avait un chat qui savait ouvrir les portes et celle du frigo et qui allait chercher le beurre dans le frigo. Un génie du mal. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, j'ai du mal complètement con quand même. Hein. Bah pourquoi parce complètement? Parce que savoir ouvrir un frigo et prendre juste le beurre. Mais parce qu'il adorait le beurre, ce chat, c'était ouf. Tu pouvais pas laisser le beurre sortir plus de 5 secondes sans qu'il essaye de le bouffer. En même temps, c'est ton chat. Oui, il est aussi con que moi, hein, de toute façon. De toute façon, c'est tel maître, tel animal. Hein.
Le chat qui bouffe de la pâte à fixe, c'est comme les types qui bouffent de la colle. Mais non, mais c'est qu'en fait, la pâte à fixe, pour les chats, ça a une odeur trop bizarre. Déjà que de base, ça a une odeur trop bizarre. Mais je sais pas, ils aiment bien. Tu vois. C'est très con, hein, mais... C'est comme l'odeur des élastiques, tu vois. C'est pareil, ça les rend dingues. Il aurait pu prendre des bières. Ouais, c'est pas faux. J'ai appris à donner la pâte à mien. Ah putain, mais trop bien. Moi, ils ont jamais su donner la pâte. C'est... Ils savent quand est-ce qu'il faut venir faire des câlins. Et quand est-ce qu'il faut pas venir en faire, tu vois. Mais donner la pâte... Moi, j'ai rien dit, tu l'as dit toute seule. Ouais, mais tu l'as pensé très très fort aussi. C'est... Tu le penses si fort que je finis par l'entendre, tu vois. J'ai appris assis à mon ancien chat. Putain, mais... Vous êtes déter, les gars. Vous êtes déter. Il y a un truc que j'ai appris à beaucoup de chats, c'est coucher. Ils sont déjà couchés de base, c'est ça? Oui. Ouais, ouais. Ah, très facile comme tour à apprendre, hein, franchement. Geronimo, coucou Black. Comment ça va? N'est que coucou. Ah là là. Après, moi j'ai un chat, c'est une diva. C'est-à-dire que Prout Prout, vraiment, comment vous dire, c'est un connard élitiste vegan. C'est-à-dire que quand on mange de la salade, il veut manger notre salade, voire il mange notre salade. C'est terrible. Mais chat, pire animaux. Ah mais ça. Mais écoute, nous tout va bien. Tout va bien. J'ai un petit coup de barre, mais ça commence à aller mieux là. Un peu. Pipapou pipou. D'ailleurs, un truc en faveur des chiens. Les chats, c'est vraiment dangereux comparé aux chiens. Faut pas croire. Ouais, non, t'as raison. J'allais dire, je vois pas en quoi, mais en fait, si. Si, si, je vois bien parce que ce midi, j'étais en train de manger. J'avais les pieds sur mon tabouret. Et bah, cette espèce d'enfoiré, il a sauté, il m'a croqué le doigt de pied. J'ai eu mal. Comment vous dire ? Ah, j'ai eu mal. Même pas pour ça. Genre, un chat qui se déchaîne comparé à un chien qui se déchaîne. Ouais. Ouais, ouais, je me souviens de ça. Steda te passe le bonjour. Ah, tu passeras le bonjour à Steda aussi, s'il te plaît. Coup de barre du cadre, évidemment. Et du coup, Fred, excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais dire que un chat qui se déchaîne comparé à un chien qui se déchaîne, le chat peut vraiment se faire des gros dégâts, voire même te buter comparé au chien ou. S'il se déchaîne. C'est vrai. Disons que c'est plus facile. Je vais pas dire de contrôler un chien, mais genre... Si, quand même. Si tu l'attrapes par le cou, le chien, il y a moins de chances qu'il te morde. Tandis que le chat, lui... Non, mais c'est vrai, le c'est griffé, vrai. Il va te mordre, il va t'assassiner. Pour faire une explication très simple, tu vois, quand j'ai déménagé à Pauline, donc on est parti de Lyon, on est allé jusqu'à Toulouse, et on avait emmené son chaton avec elle. À l'époque, on pensait que c'était une chatonne, d'ailleurs, mais bref, on a emmené son chaton avec elle. Et fallait bien qu'on s'arrête de temps en temps sur les aires d'autoroute pour que le chat puisse boire, manger, pisser, tout ce que tu veux. Je tenais le chat en laisse, du coup, avec un petit harnais trop mignon, tu vois. Et cette espèce de petit con s'est tapé un coup de flip comme Jaja. Il voulait se tailler vraiment à une vitesse folle, à une vitesse grand V. Il allait se faire mal. J'ai été obligée, tu sais, de le plaquer littéralement au sol pour qu'il arrête de bouger. Il m'a explosé les bras. C'est-à-dire que je saignais de partout sur les bras. C'était terrible. Alors que le machin, il était gros comme ça, tu vois. Vraiment, il était pas plus gros qu'une escalope. C'est un chien, tu l'attrapes par le cou derrière, il peut presque plus rien te faire. Ah bah ouais. Avec un chat, putain, ça se débat. Hein. Le chien, c'est un enfer. Enfin, le chat, c'est un enfer. C'est... Mais s'il y a des chiens policiers... C'est un chat, c'est hyper dangereux. Attends, quoi ? Mais s'il y a des chiens policiers et pas des chats policiers, c'est bien pour une raison, non ? Il y a des chats policiers. Ça existe. Une meute de chiens, ils te dévorent, c'est vrai. Merci, Blake. Ah oui, mais une meute. Mais ce que je veux dire, c'est un chat tout seul. Il te défonce ton appartement, il te défonce toi, s'il est en mode vénère. Il te défonce ton appartement ? Regardez, vous voyez ce point blanc là-bas ? C'est un chat qui a fait un trou dans la tapisserie. Voilà, il te défonce ton appartement. C'est terrible. C'est vrai, oui, justement. Les chiens, c'est plus un esprit de meute. Donc quand ils sont en meute, c'est là où ils sont le plus dangereux. Quand ils sont tout seuls,
ben c'est là où justement tu peux plus les maîtriser et ils sont moins dangereux. Ils le sont quand même, hein, parce qu'un chat, un chien, ça, enfin, un chien, ça peut t'arracher un bras en deux secondes, hein. Fred, le chat, il dit pas où t'as planqué ta drogue, il la mange. Ah oui, oui. J'adore. Oh. Les chiens, c'est comme les wesh. Quoi? Non. Rapport, faut pas comparer. Faut pas comparer. Les wesh, même en meute, ils sont pas... c'est des petites merdes. Oui. Oui, globalement, les wesh en meute, ça a à peu près la crédibilité d'un teckel. Donc bon, je... Voilà, hein, c'est... Tu vois, c'est moi, une meute de wesh, j'ai envie de dire, c'est comme une meute de chihuahua. C'est hargneux, mais... Eh, déconne pas, hein, ça mord fort, un chihuahua. C'est une saloperie, ce truc. Mais oui, mais le chihuahua, c'est presque le seul chien qui vit juste mord fort et c'est tout, quoi. C'est vrai. Ah si, ça crie fort aussi, c'est un enfer, ces bestioles. Ah oui, non, mais si tu as une meute de chihuahua devant toi, tu te retrouveras avec quelques petits trous dans ta peau et les tympans percés. Ouais. Mais c'est tout. C'est tout. Attends, quoi? Vous avez pas fait un chat complètement stone? Vous voulez le jambon de votre sandwich? Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? King, je sens que t'as quelque chose à nous dire. Mais tout seul, il ose pas t'attaquer. Ah, je sais pas, moi je me suis fait mordre la jambe par un... Enfin, mordre. Non, les wesheux. Ah! Ah, les wesheux! Ah, non, jamais. C'est... Le seul truc qui sera à dire, c'est wesh alors! Tu vois. Les chiens, ils t'attaquent même tout seuls, hein, s'ils sont vraiment en danger. Ouais, mais le chihuahua, tu shootes dedans, il vole. C'est vrai. Tu me diras, le petit wesheux aussi. King fait une dépression, un trouble d'identité? Non, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il y a un vécu dans cette histoire de vol de jambon de sandwich. Mais sinon, chat policier, pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il passerait son temps à dormir. C'est vrai. Le wesh, tu shootes dedans et vole tes chaussures, mais putain. Excuse-moi, mais j'imagine trop l'action, t'as su mettre un gros coup de pied dans quelqu'un, le mec il attrape ton pied, il prend la chaussure, puis il se barre en courant, tu sais. C'est incroyable. Il n'y a pas besoin de se barrer en courant, il s'envole avec le coup de pied, mais en volant ta chaussure en même temps. La Team Rocket s'envole vers l'autre cieux. Évidemment. Oh putain, la Team Rocket vole tes chaussures. Incroyable. Vole tes chaussures. Putain, t'imagines s'ils avaient réussi à faire ça avec Pikachu? Ils s'envolaient vers d'autres cieux, mais avec Pikachu. Oh, mais quel merdier. Ah bah, ça aurait fait un orage d'été, quoi. Il y aurait eu des éclairs alors qu'il y a un grand soleil. Compliqué. Mais ils auraient enfin réussi, on va dire, à voler Pikachu. C'est vrai, c'était pas leur but à la base de voler Pikachu? Ah si, totalement. Ah, il me semblait bien, hein. Pourquoi d'ailleurs, hein, parce que bon... Oui, pourquoi ce Pikachu? C'est surtout ça, parce que... Et certes, il les a mis plusieurs fois en échec, mais c'est Pikachu. Et ouais. C'est le pire Pikachu qui existe. Il ouais. ne veut pas rentrer dans sa Pokéball, même si sa vie en dépend. C'est un trou de cul, ce Pikachu, putain, c'est une diva. C'est une putain de diva. J'ai envie de lui casser la gueule, ce Pikachu, c'est terrible. Vous sentez prêt et pour le plan? On sent il y a une bande de criminels qui veulent ce Pikachu. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais ils veulent ce Pikachu. Non, mais si ça se trouve, c'est que c'est un Pikachu mutant. On n'est pas au courant, tu sais. Depuis le début, il avait un truc. Attends, quoi? J'avais un chat, il était dans le même état que moi, déchiré. Donc j'avais faim, je me suis fait un sandwich jambon fromage mayo. Et là, t'as un éclair noir qui a sauté sur le sandwich pour repartir avec une tranche de jambon tout fier de son exploit. Il est incroyable, ce chat. Mais alors pourquoi ton chat était déchiré par contre? Ça je me pose la question. Ah ouais, peut-être. J'ai jamais donné de l'herbe à chat à mes chats. J'imagine pas prout sous herbe à chat. Des chats qui courent partout et qui fait n'importe quoi. Bah peut-être que justement il sera calme et il sera en mode. Bah tu me diras, depuis qu'on lui a coupé les couilles, il est quand même sacrément plus calme, hein. C'est j'arrive à sentir les couleurs. Je suis sûr les couleurs ça peut avoir une odeur, en vrai. Je suis sûr. Le silence me parle. Ah, oh, cette phrase elle est ouf. Le silence me parle. Je vois le son. Putain. Bon, ça marche pas parce que techniquement tu peux voir le son, mais enfin tu peux voir les effets du son plus que le son. J'entends les couleurs, je vois les sons. Putain. Terrible. Et attendez, je suis très mal calé. Oh, secours. Aïe, ah, ah, ah,
Ah, je viens de me niquer de la jambe. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah, je vais avoir un bleu sur le tibia. Ah. Ça va, vous? Attends, Élise, à Marie-Jeanne. Et les chats ont pas le droit à leur herbe. Où est l'égalité? Bah, nulle part. Surtout que j'ai pas le droit à la Marie-Jeanne, moi, calmez-vous. Parce que tel maître, tel chat, et oui, comme je voulais qu'il mange ma drogue, je lui ai acheté la sienne, mais putain. Comme je voulais plus qu'il mange ma drogue, je lui ai acheté la sienne, mais putain. Le cosplay Avatar, non, le cosplay Schtroumpf. Parce que Avatar, c'est stylé. Moi, j'ai des bleus. C'est pas stylé, donc c'est Schtroumpf. Putain, mais je suis ultra mal calé, je comprends pas. Attends. Il y a du bordel partout. Donnez-moi une seconde, ça me pète les nions. Voilà, ça vire. Et voilà. Là, on est bien. Là, on est posé. Là, je suis plus cadré dans ma caméra, mais c'est pas grave. Élise, c'est la joie du stream. Non, mais j'ai des problèmes. Faut pas m'en vouloir. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas le bon jour. Voilà, tout simplement. Et t'es fatigué d'être un kiwi? Ouais, je pense. Ah non, mais vraiment, hier, ça m'a détruit. Je me suis endormie comme une grosse merde après le live. Mais vraiment, hein, j'ai à peine eu le temps de manger et de me débarbouiller que je suis allée dans mon lit. Mais vraiment, hein, c'était terrible. Hein. Arrêtez de... Mais pourquoi on aurait la commande d'arrêter de vous battre? Arrêtez, il est déjà mort. Quoi? J'ai pas la ref. Oh putain. Non mais... Ça va bah, bien, je crois que c'est dans un épisode des Simpsons. C'est possible. C'est possible, but which one? En fait, j'ai l'impression que ma chaise, elle est pas droite par rapport à mon bureau. Et du coup, je suis extrêmement mal calée. C'est très bizarre. Hein. Je suppose que vous en battez les reins, mais... J'ai des problèmes aujourd'hui. Hein. Ah, mais t'es bancal. Ah, mais... Non, mais je te jure, hein, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me suis levée, j'étais pas droite. C'est très bizarre dit comme ça, je peux comprendre, tu vois. Mais... Comment vous dire? C'est... Vous voyez, mes chaussures, elles étaient là. Bah moi, j'étais genre... Là. Vraiment, Je suis décalée. Je suis pas... Comment vous expliquez ça sans que vous me preniez pour une cinglée? Bah y'a un éléphant qui t'a piqué tes chaussures. Pourquoi un éléphant? Puis y'a un clown qui est arrivé, il a tabassé l'éléphant. Mais pourquoi? Il t'a refilé tes chaussures, mais en fait c'était les mauvaises chaussures. Bah t'as dit sans qu'on prenne pour une folle. Attends, je suis toujours bien droit le matin moi. Mais pardon Tim, on veut pas le savoir. Oh merde. Oh, ça me fatigue. Tu fais comment? Moi, je tourne tellement que je me sers de générateur et je dois inventer le film. Un film pour... Attends. Oh, attends, tu recommences. Tu fais comment? Moi, je tourne tellement que je me sers de générateur et je dois inventer un film, le produire et en faire la promotion. J'ai rien compris à ta phrase. Mais je te jure, pourtant j'ai essayé, hein, mais j'ai rien compris. Je crois que j'ai plus le contexte en tête. Bah, à chaque fois qu'on s'embrouille dans le chat, tu dis arrêtez de vous battre. Ce son, je veux une commande. Ah bah d'accord. Un jour peut-être, je vous l'enregistrerai. Promis. On te prend déjà pour une cinglée. Mais je suis déjà cinglée. Mais c'est juste... C'est juste... En vrai, aujourd'hui, je suis complètement pétée. Je comprends pas pourquoi. Je vous jure. T'es sûr de pas avoir pris d'herbe à chat? Ben non, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux que t'es j'en prenne? T'es sûr qu'il y a pas un chat qui t'a drogué à l'herbe à chat sans que tu le saches? Route. Jusqu'à preuve du contraire, non, tu vois, mais... Contexte, tu fais comment pour t'endormir aussi vite? Ah non, mais c'est juste qu'hier soir, j'étais éclatée, hein. Parce que sinon, moi, je me dors pas avant 4h du matin. Enfin, surtout ces temps-ci. Excusez-moi, mais en fait, je crois que j'ai compris mon problème. C'est que mon écran, il est pas droit. En fait, je crois qu'il est là, mon problème. C'est pas que c'est moi qui suis pas droite ou que ma table, elle est pas droite, c'est que mon écran est pas droit. Attendez. Non, parce que je l'ai tourné pour pouvoir regarder un film depuis mon lit, tu vois. Du coup, je crois que c'est pas droit. Ok, ça a l'air un peu mieux, mais pas tout à fait. Quel enfer. Pourquoi Prout tout de suite? Il y a d'autres chats, non? Ouais, mais alors il y a Chatounette, qui est une boule d'amour, et vraiment, qui jamais ne ferait mal à une mouche. Et le gros, qui est trop malade pour pouvoir se lever. C'est-à-dire qu'il dort 23 heures sur 24, à peu près.
Voilà. Ça va, Bastien? Alors, elle a eu une crise existentielle l'autre jour. T'as un mec dans son chat, il a dit « Ça se trouve, on est déjà tous morts et on est en train de revoir le film de notre vie. » Après, moi, ça me va, hein. Ça veut dire que ma vie est cool. Enfin, était cool. Franchement, moi, ça me va. Hein. Attends, tu connais pas la suite. Bah, jusqu'à présent... J'ai l'impression que le son dans mon casque est beaucoup trop fort parce que putain, ce prout vient de me détruire le crâne. J'étais pas prête. Mais pareil, on est d'accord. Non mais vraiment, je pense que pour l'instant, ma vie était pas trop mal, tu vois. Mon début de vie était nul, mais le reste de ma vie était pas trop mal. Mais en soi, il y a une autre théorie que la Terre, c'est l'enfer d'une autre planète, et ainsi de suite. Non, juste, par exemple, la Terre, c'est le purgatoire. Et en fait, tu meurs au moment où t'es jugé. Où t'as fini d'être jugé. Ah, c'est possible. Sans, de toute façon, beaucoup trop fort. Oui, c'est vrai. T'as enlevé le ni oui ni non? Oui, j'ai enlevé le ni oui ni non. Et leur réveil... Il n'y a plus de ni oui ni non. Et leur réveil, salut ça... Ah, arrêtez avec ces sons. Et leur réveil, ça lui sert à manger, faire sa toilette, se balader, en mettre le mène qui vit avec. Il est trop fort, ton chat. Mon chat, c'est un connard. Je l'aime, mais c'est un connard. Putain, j'en ai marre. Arrêtez avec ces sons. Le son est trop fort, beaucoup trop fort, même pour moi qui suis. Alors comment ça, le son est trop fort? Tout le son est trop fort ou juste oui. Certains sons, les sons joués. Bon, moi qui gueule dans mon micro pour qu'Élise m'entende. Non, en vrai, ton micro et mon micro normalement sont réglés à peu près au même son, tu vois. À peu près. Ouais, le prout est ultra fort. Le prout, c'est vraiment le son le plus fort du monde. Je sais pas si je peux baisser le volume. Bastien qui s'est foiré. Bien, j'ai remboursé Black à la place de moi, mais putain. Ah bah bien. Merde, c'était quoi déjà? Sonde d'alerte. C'était ça. Dashboard sonde d'alerte. Est-ce que j'ai moyen de baisser le son du sonde d'alerte? Ah oui, j'ai moyen. Il est où le prout? Prout, il est là. On va baisser un peu le volume du prout. Genre, on va le baisser d'une vingtaine de pourcents. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. Ouais, il est toujours beaucoup trop fort. Hein. Hop. Vous allez entendre plein de prout, ça va être fantastique. Mais pourquoi ce son est si fort, bordel de cul? Terrible. C'est vrai qu'il faut tester, faut que des gens essayent de se coordonner pour essayer de lancer le prout en même temps. Pourquoi ça? Voir si ça le lance deux fois. C'est pas dit. Attendez, je vais tenter un truc. Je tente un truc. Ah, ça marche, fantastique. Il a fallu que je mette le son du prout à 20% au lieu de 100%. Mais on est bon. doit y avoir une queue, je pense. Oui, c'est possible. Je sais pas du tout. Je saurais pas dire. Pas assez fort maintenant. Suffisamment fort pour qu'on l'entende. Si tu veux, je peux le mettre à 30. Mais je vais pas le mettre plus haut que ça. Hein. Si t'es vraiment ultra fort. Voilà. Et oui, ce soir, on va passer un coucou chez Atta, bien sûr. On arrêtera le live, je pense, une petite demi-heure en avance. Et puis on ira faire un coucou à Atta. Voilà. Pip, poup, ça c'est bon, on n'y touche plus. Voilà. Bah, c'est secret, tant qu'il est pas dans le chat, tout va bien. Il est pas dans le chat, tout va bien. Voilà. Juste qu'on soit bien clair, si on se rend compte que Atta ça commence à le faire chier, on arrête de le faire chier avec ça, ok? On va pas y aller juste pour l'emmerder, tu vois. Bah pourquoi? Bah. Parce que j'aimerais bien faire des lives avec lui, il est rigolo ce garçon. Voilà. Et non, il n'y a pas Manu. Bah, t'inquiète pas, j'ai regardé aussi.
Ah bah oui, j'ai vérifié qu'il soit pas là avant d'en parler. C'est bien, quel bon garçon. Il est pas tant en carton, ce modo, ça va. 21h30, la commu en carton va envahir Atta. Ouais, à peu près. À peu près, à peu près. En plus, si j'ai bien compris, il fait du raft ce soir. Raft, c'est cool. À quand la mise à jour de raft, putain? Il va se la couler douce. Ah, LOL. Au secours. Moi, je veux la mise à jour de raft. Parce que raft, c'est le feu. Après, on peut passer du temps à créer un navire automatisé à 100%. C'est vrai. Ah tiens, j'ai encore eu un sub gratuit tout à l'heure. Encore ? Putain, mais King ! Mais c'est fou, ça. Mais ça me détruit à quel point t'as des subs tout le temps partout. Par contre, c'est con, ici, t'as pas reçu de sub. C'est bête, hein. Non, mais c'est un message. Il faut qu'il sub lui-même, ici. C'est ça, hein. En attendant, moi, je vais prendre des forces en mangeant devant le live. Y a pas de souci. Mange. Dis-nous juste ce que tu manges. Nom. C'est nous, on veut avoir... Il faut nom. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Ah, terrible. C'est la cocaïne. Pardon. Ah, bah ça... Évidemment. Hop. Moi, j'ai reçu un sub. Ah, j'avais dit qu'elle prenait pas de Marie-Jeanne, non. Ah bah non, tout de suite la coke. C'est parce que ta commu est fauchée. Oui, c'est vrai. Saucisse aux lentilles. Hein. Ça c'est va, pas c'est mal. Bon. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Pas mal, mais peut mieux faire. Très clairement. Ouais, et comment il peut mieux faire? Bah en mangeant autre chose. C'est tout. Non, c'est... Ce soir, saucisse aux lentilles, c'est très bon. Non, mais je dis pas que c'est mauvais. C'est bon, les saucisses lentilles. Mais c'est pas merveilleux, tu vois. Moi, je me fais simplement des nouilles. C'est pas mal, aussi. Je suis pas... Attends, quoi? Je suis pas fauché, mais quand je donne ici, on me snob. Mais c'est pas que je te snob, c'est que je t'ai pas vu sur mon retour. C'est pas pareil. Et puis après, c'est noté nulle part. J'ai vu que ton don était passé parce que je l'ai entendu. Hein? Tu te calmes. Je sens que ça va être le truc qui va rester, ça. Terrible. Une saucisse avec des lentilles dedans? Non, c'est une saucisse de lentilles. Oui, ça se fait, c'est dégueulasse. Laisse-moi mon plaisir, Elise. Non, mais c'est pas possible, ce jugement-là. Non, mais c'est pas un jugement, hein. C'est bon, les saucisses lentilles. Mange-les si t'aimes ça, y'a pas de soucis. Tantôt, je vais emmerder Atta avec ses émotes dans le chat, évidemment. Moi, j'ai niveau 0 et niveau basique des légumes, petits pois carottes. Oh ouais, les petits pois carottes, c'est incroyable. Surtout, tu sais, les carottes, genre les baby carottes qu'il y a dans les trucs tout préparés de petits pois carottes, elles sont incroyables, c'est carottes. Ah là là. Avec plaisir de dire, Ekar, il a potentiellement un CDI chez Elise. J'irais, Ekar, il a potentiellement un CDI chez Elise. Petit fagnon. Incroyable. J'aime trop. Ah là là. Pauvre Ker. Pauvre Vata. Ils vont rien comprendre. Bah Ker, ah il va comprendre, il est là. Mais... Vous m'avez compris, quoi. T'as bien raison, Ker, fais grève, moi je te soutiens. Mais non, mais calmez-vous. Donnez-moi l'argent. Soyez paradin, donnez l'argent. Mais enfin. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de répéter, Bastion. T'as l'air tellement à fond dans ce projet, c'est terrible. Moi, je suis juste en mode, hey, on va aller lui faire une blague. Et le mec, il est en mode, non, il faut qu'on sache exactement ce qu'on va dire. Aïe. Ailleurs, comme ailleurs. Je suis syndiqué, bien sûr que je le soutiens. Ah, un syndicaliste, ça fait plaisir. Ah là là. Moi, j'aime bien les syndicalistes, ils sont rigolos. Évidemment que je suis à fond. Ah oui, bah je vois ça que t'es à fond. Je veux dire, tu utilises 100 points juste pour dire de répéter ce qu'on va dire ce soir. C'est... terrible. Terrible. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est qu'il s'attend pas à ça. il va rien comprendre. C'est affreux. C'est abominable. Bah, il faut savoir, c'est affreux ou abominable. D'ailleurs, je bosse à 100% que les jours de grève, évidemment. Pourquoi un P? Quoi?
Bah Bastien, il a mis un P en avant, juste la lettre P. Ah, je me suis versé de l'eau dessus, putain. Il y a de l'eau dans mon bouchon. Moi, je ferai officiellement don de mon poste sous le serment de la Sainte Hachéata. Oh merde. Est-ce que t'es en train d'essayer d'écrire Prout avec des messages mis en avant, sauf que t'as pas le droit de mettre des messages en avant toutes les 5 secondes, c'est ça? C'est terrible. terrible. Il y avait flemme de se rembourser à chaque fois. Bonsoir, Varki. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Comment vas-tu, Varki? Warki? Varki? Warki? Je sais pas comment on y prononce. Ah là là. Non, pas que ça va foutre d'utiliser 100 points juste pour ça. Oh, bichon. Bah écoute, nous on va bien ici. On est en train de préparer un petit complot pour un de nos amis streamers. Donc, Warki. D'accord, très bien. Ok. On prononcera ça Warki. Warki-i, même. qui prend la relève. Oui, j'ai vu. Ce O me déprime. Tu vois, de voir cette lettre O là, ça me ruine le cerveau. Ah là là. Bon, du coup, les enfants, ce soir, c'est Tomb Raider. Parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, oui. Ça va bien se passer. King, t'as raté ta mine minuscule. Oh bah, bienvenue dans la famille, du coup, Warki. Merci beaucoup. Bienvenue. Attends, quoi? Ami, après ce soir, ce sera peut-être plus d'actualité. C'est possible. Mais c'est terrible en plus, parce que j'ai enfin reçu une réponse au message que je lui avais envoyé sur Discord. Donc, comment te dire? Si maintenant il me boude, je le vis mal. C'est la version de bruit, évidemment. Ça fait plaisir, merci pour l'accueil. Bah, je t'en prie. On est toujours comme ça ici, de toute façon. On accueille toujours les nouveaux, sauf quand ils sont bêtes. En gros. Ah bah, excuse-moi. Mais quelqu'un qui vient pour dire hey, « Eh, tu montes tes boobs !» C'est bête. Donc, voilà. Oui, d'ailleurs, comment s'est passé ta... Je vais m'arrêter maintenant. Tu viens de me trigger si fort. Si fort. D'ailleurs, tu avais une question. Bah, je t'en prie. Si tu parles de transition, ça se passe très mal, par contre. Hein. Fais attention à toi. On accueille les nouveaux et on leur donne des problèmes mentaux. Exactement. Et mettez pas de plus 1 à Fred, ça se fait pas. Contexte. Y'a pas de contexte. Le contexte, c'est le nombre de personnes qui sont venues et qui ont dit de la merde. Non, en fait, il faut savoir que de temps en temps, pendant peut-être 2 semaines, tu vois, quelque chose comme ça, tous les 2 jours, il y avait quelqu'un qui arrivait et le premier truc qu'il mettait dans le chat, c'était... Et salut, c'était juste comment s'est passée ta transition. Genre Théma, apparemment je suis un homme, tu vois, ou j'étais un homme, voilà. Et vraiment avec zéro contexte, tu vois, il y avait pas bonjour, il y avait pas merci, il y avait pas des gens qui parlaient, tu vois. Putain, plus 5, c'est beaucoup, déconne pas. Il va level up le con. Ouais, je vais piocher beaucoup trop de cartes ou non. Au secours. Plus 7, oh merde. Plus 20, mais mon dieu, mais Fred, tu as une main incroyable. Ah là, c'est... Et attention, je vais avoir beaucoup de changements de tour et de passer de tour. Hein. Ah, c'était vraiment ça ta question? C'était vraiment savoir si j'ai fait une transition? Ça va mal se passer. Hein. Pourquoi cette question? Merde! Vous trouvez vraiment que je ressemble à un gars ou comment ça se passe? C'est terrible! Ah, je crois qu'il n'y a plus de jeu là, je peux plus piocher plus d'autres cas. Et ben on prend un deuxième jeu et on mélange les cartes. Putain! Non mais vraie question par contre, c'était vraiment ça? Ah, c'était pas tout ça? Putain, tu m'as fait peur! Oh, non parce que là tu vois, j'étais à 2 doigts d'aller chercher un crayon et de commencer à me dessiner de la barbe. Hein. Non, c'est terrible hein! Vraiment! Je veux bien avoir une mâchoire un peu carrée, mais enfin quand même! C'est au secours! Ah bah c'est bien, ça veut dire que tu es bien éduqué. Oh là là... Non, ta transition est plutôt bien réussie, mais quel enculé! Oh putain, mais il est badant as fuck ton émoticône là.
Ton émoticône. Oui, ton émoticône. Ouais, mais par contre, en fait, je pense que le moment où il y a des gens qui arrivaient pour proposer ça... Ouais, je pense que c'était une vague de trolls, surtout. C'était une vague de trolls, et ça a dû se faire sur beaucoup d'autres streams. C'est possible. Bah après, j'ai pas vu sur d'autres streamers, mais peut-être qu'ils s'en prennent pas à des trucs. Ouais, mais est-ce que tu regardes beaucoup de petits streamers? Pas trop, à vrai dire. Et pas surtout voilà. Pas de gonzesses, en fait. Après, c'est sûr que si tu regardes Magla, tu vas pas trop voir la question, quoi. C'est vrai. Mais je pense que Magla, elle s'en est pris plein la gueule, quand même, monsieur. Ah, je pense aussi, mais je pense qu'elle a aussi une équipe de modo au taquet. Ouais. Bah, j'espère pour elle, en tout cas. Tu regardes pas mes femmes? Bah, si, je les regarde, mais elles sont déjà beaucoup plus... beaucoup plus hautes en grade, on va dire. Donc, donc, voilà. Non, mais c'était exactement l'effet que j'attendais. De quoi? Je voulais réveiller les modos un peu. Ah là là. Fais gaffe, hein, Warki, j'arrive plus à prononcer. Fais gaffe, Warki, hein, parce que Bastion, ça commence à être un vrai sniper. Hein. Faut faire attention. Elle a plein de deadshots, Magla. C'est quoi des deadshots? Deadshot, c'est un héros d'ici. Enfin, ah. Un héros. D'accord. C'est pas vraiment un héros, hein, mais... Ouais, il fait partie de DC Comics, quoi. Ok, je sais pas qui c'est. D'accord. Écoutez, voilà. Bah, on va dire que c'est l'équivalent de Elle a plein de sniper. Ok, très bien. Très bien. Bon, mais du coup, c'était quoi ta question? Oh, putain, j'ai vu Bastien. Oh, ça a écrit Bastien. Oh, ça va se passer. Va y avoir la guerre. Je pense qu'après le Bastien, justement... Secours. Vous battez pour... Ah putain, fais gaffe, t'es dans sa lunette de tir là du coup. Les modos sniper, je les appelle les deadshots. Ok, d'accord, très bien. Tu sais, Elise, moi je te demanderai jamais ce genre de choses, ça relève de ta vie privée. Et même si elle s'est bien passée, on n'a pas le droit de te demander ce genre de choses. Mais putain. Warki, tout une seconde, il pense à tes rames, putain. Terrible. Terrible. Ah mais t'avais pas de questions! Mais putain! Moi je m'attendais à un truc cool, tu sais, un truc sur lequel je pourrais rebondir pour dire des trucs! Bah raté! Un putain. Trampoline? J'aimerais bien avoir un trampoline juste là. Vraiment? C'est... Non mais sachez, c'est très con, hein. Mais pour moi, avoir un jardin avec un trampoline, c'est un achievement. Vraiment. Voilà. Ah, t'as une question finalement? Bah, je t'en prie. Je fais quoi dans la vie? Comment vous dire? Je suis chômeuse, pas chômeuse. Bonsoir, Ata, tu vas bien? Disons que je retape des trucs à droite à gauche pour des gens de la famille. Je suis payé au noir, j'ai pas d'argent. Elle rassure des chats. Terrible. Ouais, tout va bien. Elle dort jusqu'à 4h de l'après-midi. C'est pas vrai. Je m'endors à 4h du mat. Je me lève pas à 4h de l'après-midi, c'est pas pareil. Bonsoir, Amiro. Bah écoute. Coucou. Hop. Pipapoupipoup. Attends, quoi? Ma voisine en avait un sur son balcon. De quoi? Quoi? Elle est ménestrelle, évidemment. Quoi? Ah, de trampoline! Ah, mais très bien! Mon dieu, Yata qui fait sa pub en disant qu'il y a raft. Ata, je te vois. Hein. Ata, le time out est pas loin. On fait pas de la pub chez moi. Hein. Pas sans permission. Ah putain. Bah c'est plus ou moins un choix. En fait j'ai aucune envie de me retrouver coincée dans une boîte à faire un métier que j'aime pas et à avoir un masque collé sur la gueule toute la journée et de pas pouvoir respirer. Donc j'ai la chance d'être encore hébergée chez ma mère, donc je me permets de ne pas travailler. Enfin de ne pas travailler régulièrement, on va dire. Voilà. C'est la non-envie de bosser dans un endroit et de se dire 20 ans plus tard, putain, mais qu'est-ce que je fais de ma vie?
Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai un deal avec ma mère. En gros, j'ai le droit jusqu'à mes 25 ans de faire un peu de la merde, de pas forcément aider financièrement, etc. Mais après mes 25 ans, c'est casse-toi. Et puis voilà. Bon, techniquement, à 25 ans, tu peux toucher le RSA. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça, on t'a demandé? Comment ça, on t'a demandé? J'ai 22 ans, bientôt 23. Bah, je sais pas, Ata, il dit on m'a demandé de faire de la pub. Comment ça, on t'a demandé de faire de la pub? C'est Black qui est juste au-dessus avant le raft, les amis. Il a mis quoi de prévu ce soir, Ata? Très bien! Mais putain, mais j'ai pas le temps de vous lire, vous êtes trop nombreux là ce soir. On fait de la pub chez les autres, c'est pas bien. Encore 2 ans environ, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je touche deux ans, du bois. Elle espère percer sur Twitch. Je touche juste du bois, dans 2 ans, je peux vivre de Twitch. Je touche du bois. Faut le changer le masque, tu respires pas avant. Bah ouais, mais en fait, faut savoir que moi je n'arrive pas à respirer dans un masque. Vraiment, ça me crée une angoisse absolument incroyable. Bah voilà. Prends un tuba. Ta gueule. Et je veux bien rester dans le monde du spectacle, mais pour être dans le monde du spectacle, en France, il faut un pass vaccinal. Et pour moi, toute cette histoire de pass sanitaire, de pass vaccinal, c'est n'importe quoi. Donc il est hors de question que j'ai un pass vaccinal, que je demande un pass vaccinal aux gens qui viennent me voir. Voilà, tout simplement. Moi, je parle juste d'un seul principe. Hein. C'est au début, ils disaient que le masque n'était pas obligatoire. Maintenant, ils disent que le masque est obligatoire. C'est à partir de ce moment-là où tu te rends compte que ils savent pas ce qu'ils font. C'est vrai. Ils font du pif. C'est aussi simple que ça. Choper le Covid et ça pisse. Ouais, bah alors, mec, moi, j'ai chopé le Covid avant même qu'il soit techniquement arrivé en France. C'est-à-dire que je l'ai chopé en décembre 2019, le bousin. Chut, t'as chopé un rhume. Alors, non, j'ai chopé un truc où j'avais plus d'odorat. Donc, techniquement, c'était le Covid. Voilà. Non, ça, c'est juste ton chat qui te pétait sur le nez pendant que tu dormais. Ça n'a rien à voir. Rien à voir parce que j'ai chopé... j'ai chopé la crève que mon prof de musique slash mon mentor avait à l'époque. Et lui, il a plus ni l'odorat ni le goût pendant 2 mois. Donc si ça, c'était pas le Covid à l'époque, je sais pas ce que c'était, tu vois. Voilà. OMG, un Suisse. Oh putain, mais trop bien. Tu sais que j'ai de la famille en Suisse. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Ça m'a choqué. Voilà. Je les connais pas du coup, mais j'ai de la famille en Suisse. Et du coup, bonjour les Suisses. Et s'il y a plus rien chez vous, je passerai peut-être parce que c'est sympathique. En vrai, si on en croit les infos et on espère de tout cœur que ça va être le cas, techniquement, toutes ces conneries vont être terminées bientôt. Alors, il faut faire attention parce que ils vont enlever le pass vaccinal, mais ils vont pas enlever la loi qui permet le pass vaccinal. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien l'enlever pour les élections présidentielles et le remettre juste après. Oui, super. C'est pour ça que c'est avec beaucoup d'espoir qu'il faut espérer ça, tu vois. C'est... Ouais, mais alors c'est pas dit, hein, parce que là en ce moment c'est un bordel monstre. Hein. Si vous regardez pour les élections, les seuls qui peuvent passer, enfin les seuls qui ont les comment on appelle ça, les points des maires là, que les maires attribuent pour pouvoir passer, pour pouvoir se présenter aux présidentielles. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais bref, il en faut 500. 500 signatures de maire pour qu'ils puissent se présenter. Et bah figurez-vous que les seuls pour l'instant qui ont ces 500 signatures, c'est Macron et Pécresse. Hashtag Macron en femme. Voilà. Comment vous dire, je sens que les élections cette année, si on n'a pas une guerre civile, c'est incroyable. Voilà. C'est alors qu'est-ce que vous préférez, la peste ou le choléra? Non mais c'est même pire que ça. C'est alors vous préférez vous faire amputer des deux bras ou des deux jambes? C'est vraiment... Elise opère aussi le goût et le bras avec un rhume. Ouais, mais c'était pas un rhume parce que le machin il m'a quand même bien couché pendant 2 jours. Après, ça allait mieux, j'ai été fatiguée pendant 3 semaines, mais pendant 2 jours, j'étais vraiment à terre, tu vois. J'ai mieux, c'est plus... Alors, vous préférez échanger vos bras et vos jambes ou vos jambes et vos bras? C'est un peu ça, ouais. Le truc que vous avez retenu, c'est que je suis suisse. Mais bien sûr, en fait, nous, on retient que de là où viennent les gens. C'est-à-dire qu'on a des Belges, on a des Suisses maintenant, du coup, avec toi. On a un Ricain qui se balade quelque part, qui est pas tout le temps là, mais qui vient de temps en temps. On avait eu quoi? On avait eu un Mexicain. On a l'Italian Boy. Je sais pas où il est, mais de temps en temps, il vient. Il y en a un qui venait des îles aussi, je crois. Ouais. Oui, on a eu un mec de la Réunion au tout début. On a eu un Allemand, qui était rigolo. Roussel les a aussi. Ouais, mais Roussel...
Je sais même pas ce qu'il vaut, Roussel, j'ai pas regardé. Voilà. Et avec la grippe. Ouais, mais c'était clairement pas une grippe. Parce que j'avais pas les symptômes de la grippe. Donc voilà. Sinon, le lait avant ou après les céréales? Eh ben, avec Fred, on s'engueule là-dessus. Voilà. Voilà. C'est, moi, je mets le lait après, lui, il met le lait avant. Voilà. C'est... Ce sont des choses qui non, arrivent. Mais il faut pas chercher, c'est chacun fait comme il veut et un point c'est tout. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, ça revient au même. Faites c'est comme tu mouilles ta brosse à dents avant ou après avoir mis du dentifrice. Tu vois. Les deux. Techniquement, oui, il faudrait. Non, mais techniquement, il faudrait c'est parce avant, que avant, tu te brosses les dents, puis ensuite tu rinces ta brosse à dents. Alors, techniquement, il faudrait faire les deux parce que tu rinces ta brosse à dents qui a traîné, qui a chopé la poussière de toute la journée. Et ensuite, il faudrait que tu mettes de l'eau sur ton dentifrice pour l'activer. Voilà, techniquement. Voilà. Bah, techniquement, si t'as rincé ta brosse à dents, il y a déjà de l'eau dessus. Oui, mais t'en as pas assez pour activer la matière du truc. Lait après pour pouvoir avoir plus de céréales, exactement. Les origines, ça compte même si on vient en France? Bah, techniquement, oui. Non, parce que si on parle des origines, moi, j'ai quand même fait un croisement ch'ti et grec. Bonjour. J'ai du sang irlandais. Ouais, mais toi ça te va bien, tu vois. Mais comment ça, c'est quoi chocotube? Pain au chocolat. Oh, pain au chocolat. Oh, c'est pour les pains au chocolat. Et y'a pas de chocolatine ici. On n'est pas assez dans le sud pour que ce soit chocolatine. Chocolatine, c'est qu'il y a un seul endroit, c'est juste qu'il gueule très fort et qu'il veut faire croire que c'est tout le monde qui le dit. Coucou chocolat, je vous nique les Français. Alors, calm down a little bit. Non, j'ai mieux, c'était pain au croissant. Oh, le pain au croissant, il m'a flingué. Hein. Pain au croissant, il était magnifique. Mon dieu. Oh non, Léla, tu as raté ton cœur, je suis triste. Comment tu vas, ma Léla? Oh. Bah, que coucou. Léla, je tiens à dire que le dessin que tu as posté sur Discord était vraiment très très beau. Voilà. On peut pas ban Bastien, jamais. Faut en faire une display. C'est vrai. Alors après, vu comment les displays se cassent la gueule sur mon cul, j'ai pas bien sûr. Vous savez que là, ma plus grosse frayeur, c'est qu'il y en a encore une qui tombe, mais pendant le live, tu vois. Vraiment, j'ai peur. Voilà, tout simplement. Et ça va le faire. Putain, on est 12 pour dire ce genre de conneries, mais c'est incroyable. Think of mode, je suis pas français, je m'en connais. Bah oui, mais évidemment. Comment ça t'es pas français? T'es belge aussi? Il est belge le King? Je me souviens plus. Pas de soucis, Marky, merci d'être venu. Plus plus. Ah là là. Ah oui, t'es belge. Oui, tu es belge. Des bisous. Oh, ce lama, il est incroyable. C'est faux qu'on est toujours pas avec Breton. C'est vrai. Genre t'as tous les streamers qui sont en mode ouais les Bretons ils envahissent Twitch et chez nous c'est plus les Belges. Je sais pas, moi j'ai encore jamais vu un BZH dans le chat donc tout va bien. Vendée-Vie, ouais c'est vrai. C'est vrai que la Vendée, j'y suis pas allé en Vendée. Attends si, la Vendée, attends. Wait. Un quoi? Attendez. Comment ça un quoi? Pardon, j'ai pas suivi. Cœur vendéen, mon gars. C'est où la Vendée déjà? La Vendée, c'est. C'est pas Futuroscope et compagnie, la Vendée? Je sais qu'il y a le Vendée Globe, mais. Si, c'est en dessous de Nantes. Juste en dessous de Nantes, ouais. Ah, je suis pas trop allé par là-bas. Hein. Bon, je suis allé à Nantes, mais. Nul en joueur. Le plus beau pays. Non, ouais, on est d'accord, le... Comment ça s'appelle? Ouah, mon cerveau il a du mal. Le Futuroscope c'est plus haut. Non, c'est plus bas. Oui, c'est plus bas. Excusez-moi, hein, je suis un peu perdu. Je suis team Gacha Life. Gacha? J'ai pas la ref. Ça veut dire quoi Gacha? Gacha. À moins que ce soit quelque part. Je sais pas. Elise, on va se fâcher si tu comprends la Vendée et les Deux-Sèvres. Mais me parle pas des Deux-Sèvres, je sais pas où c'est. La Vendée, maintenant je vois, mais les Deux-Sèvres. Gacha, c'est un type de jeu, genre, si bien d'avoir. Ah, d'accord, très bien. Genre Genshin Impact. J'y reviens plus que d'habitude, mais on va encore m'en vouloir. Mais non. Mais non. Pipabou, pipou, pipou. En vrai, la Vendée,
J'ai pas encore exploré le coin. Faudrait que je vienne faire un tour un jour. Mais j'ai trop d'endroits à aller voir. Un de ces quatre, je ferai le tour de la France. Voilà. Le jour où j'aurai un backpack qui permet de faire un petit setup de stream. Ce ouais, sera incroyable. Elle va avoir un backpack setup stream, elle va avoir un van. Bah j'ai déjà une caravane, qu'est-ce que j'ai besoin d'un van? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je sais pas, ça consomme peut-être moins. Ah, c'est pas dit. Pas c'est dit, pas dit. Pas dit. Est-ce que tracter 900 kilos, ça te fait consommer plus qu'un gros camion? Je sais pas. Bah je dirais techniquement oui, plus il y a de poids, plus ça consomme. Bah ouais, mais ça dépend de ton moteur aussi, parce que moi j'ai un des moteurs qui consomme le moins du marché. Donc viens, on va te montrer des coins sympas, avec plaisir. Ils vont t'emmener dans une petite ruelle sombre, là. Ça va être terrible, hein. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ta gueule. Ah, je sens le time out. Non, quand même. Quand même, mais le ta gueule est proche. Si vous pouviez faire un discours de 30 secondes à la Terre entière, que diriez-vous? Arrêtez d'être débile, éteignez la télé, allumez vos cerveaux, et soyez pipou. Voilà. Simple. 30 secondes, c'est beaucoup trop. Ouais. Moi, je dirais juste, on vit dans une saucisse. On vit dans une saucisse, quand même. Hein. Ah, putain. Mais techniquement, faut pas dire éteignez la télé en premier message, Élise. Parce que du coup, ils vont le faire directement d'instinct et tu pourras pas faire en sorte que ton message soit diffusé totalement. Ouais, mais qui t'a dit que ton discours était transmis à la télé? Bah, parce que pour le transmettre sur l'intégralité du monde, c'est plus compliqué. Bah, c'est internet l'intégralité du monde. c'est pas la télé. Hein. Oui, mais il y a plus de gens qui regardent internet la télé qu'internet. C'est vrai. Après, ça dépend parce que si ton message est 30 secondes, ça veut dire que t'as un temps limité. Sinon, si tu postes sur internet, bah, c'est que t'as pas 30 secondes, t'en as plus. À moins que le message s'auto-détruise, t'en sais rien. Parce que là, genre, si t'as 30 secondes pour faire passer un message, tu peux pas citer 10 personnes. C'est pas faux. Bonne purge avec les meilleurs survies, c'est terrible. Attends. On est tous dans le ventre d'un chien géant, tout le monde le sait pas, tout le monde le sait, mais personne le dit, mais putain. Mais du coup, le chien géant, c'est un chien saucisse. C'est pour ça qu'on vit dans une saucisse. Évidemment, on vit dans une saucisse. 30 secondes en comptant les pubs YouTube, évidemment. Évidemment. Que feriez-vous si vous deviez mourir... Attends, quoi? Non, si vous deviez mourir à minuit, que feriez-vous à 23h45? Je mange, probablement. Et je m'envoie au l'air, probablement, parce que c'est rigolo. Voilà. Je me tire une balle, comme ça, ils auront tort. Achet ! Mon testament. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, mon testament. Le dernier chet, tu sais, c'est en mode... je suis pas... Eh ben non, je suis pas mort à minuit. Je vais setup, moi, bisous. Bisous, Ata. Bon live. Plos. Mais si vous vivez dans une saucisse, je ferais mieux de pas manger mes lentilles aux saucisses. Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué, là. Ah bah là, tu veux tuer un univers... Ah là là. Ouais, t'inquiète, attends, je t'envoie Kerr dès qu'il a terminé. Promis, je le kidnappe pas là tout de suite. Pas tout de suite. Ah là là. Attendez, comment ça? Je reçois un message? Quoi? Mais de toute façon, toutes ces questions, ça sert à rien. Parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut écrire en italique, en japonais? Probablement, il suffit juste que tu planches tes kanji. Si vous étiez aux portes du paradis et que l'on vous demandait pourquoi devrait-on vous laisser entrer, qu'est-ce que vous répondriez? Bah écoutez, je me suis cassé le cul à faire des lives pour faire rigoler des gens et pour qu'ils se sentent bien. Je pense que j'ai fait ma part pour l'humanité. Voilà. C'est un peu égocentrique, ça. Oui. Moi j'irais juste pourquoi pas. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, maintenant, trouver comment faire sauter le pays en 5 minutes. C'est, ou alors, t'adoptes un chien, tu le chéris de tout ton amour possible, un jour il va mourir, tu vas pleurer tes larmes comme pas possible, et quand tu vas aller au paradis et qu'il te pose cette question, tu dis mon chien m'attend. Ouais, c'est ça. Voilà. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Parce que le Japon! Et ça marche pas avec les chats, parce que les chats ils se seraient déjà barrés du paradis pour aller chasser des souris. C'est pas vrai, moi mon chat il est trop pipou! Bah, voilà. Mais il se serait déjà barré du paradis pour aller chasser des chevaux et des souris.
c'est une variante de pourquoi et pas pourquoi vous et pas un autre dans un entretien d'embauche. Oh putain, j'avais pas fait attention, mais c'est terrible. Bah, et pourquoi pas? Oui, c'est vrai, mais à mon avis, si tu fais ça sur un entretien d'embauche, vraiment, c'est un pari risqué, tu vois. Ça va, je me dis, c'est en mode. Ce que je dis, c'est en mode. Pourquoi vous et pas un autre? Mon chien m'attend à l'intérieur, quoi. Quoi? Comment ça? Bon, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Tu vois le chien qui se commande une machine. Qui te regarde. Tu sais, il a son casque de chantier, il a les pattes sur sa machine, il te regarde, il fait. Bref. Je crève. Ah putain. Oh merde. Ellie, si je dis que je fais chier les gens pour qu'ils réfléchissent et qu'ils soient plus heureux, tu me crois? J'ai un doute, mais je veux bien te croire. Parce que je peux battre des fesses, évidemment. Non, il a raison, il n'y a pas de doute. Si tu fais chier quelqu'un, il passe un mauvais moment. Mais du coup, ça veut dire que quand il y a un bon moment, ben il apprécie encore plus. Je suis pas convaincu. Non, mais c'est juste dans le principe où dans la vie, il y a pas de neutre, il y a que des hauts et des bas. Simplement parce que si tu vis que dans le bonheur, ben au bout d'un moment, tu le remarques oui. Même plus quoi. Mais c'est vrai. Mais après, si tu prends, comment dire, si tu te fais emmerder encore et encore et encore, bah il y a un moment, t'apprécies même plus quand tout va bien, tu vois. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut bien doser. C'est ça. Donc ayez un king, mais pas deux. Conclusion. Il y a un king, mais pas deux. Si pendant que vous dormiez, tout doublait de volume, comment vous vous en rendriez compte? Quoi? Si pendant que tu dors... Tout ce qu'il y a autour... Attends, doublé de volume en taille ou en son? Parce que si tout doublait de volume... Si tout doublait de volume, je me taperais plus jamais contre mon mur en dormant. Parce que du coup, j'aurais plus de place dans mon lit, tu vois. Pas tout compris. Bah, si tout autour de toi devenait deux fois plus gros quand tu t'endors, comment tu t'en rendrais compte? Bah je m'en fous, je dors. C'est pas fou. Bah non, toi aussi tu doubles de volume. Ouais, mais dans ce cas-là, si absolument tout double de volume, alors rien ne double de volume. Vu que finalement non, tout est proportionnel. C'est je m'en fous, je dors. Mais voilà, vu que c'est de la proportionnalité, si tout double de volume, rien ne double de volume. Donc finalement on s'en branle. Et de plus, si pendant que tu dors tout double de volume... ça veut dire que tout double de volume continuellement. C'est vrai. Parce que y a toujours quelqu'un qui dort dans le monde. T'inquiète, Tim Tim, il est pas pété, hein, c'est juste il est comme ça dans la vraie vie. Hein. Donc alors, c'est-à-dire qu'actuellement on est en train de doubler de volume. Je me sens grosse d'un coup, c'est terrible. Ah là là. Il est 59 les enfants, on va peut-être lancer le jeu. Yep. Il s'appelle Elisaya, mais putain! Hep. On va lancer le jeu, les enfants. Je vais récupérer ma manette aussi, ça peut être une idée. Si 2 kings c'est le bordel, 7 kings ça devient quoi? Une bar mitzvah? Je sais pas. je sais pas pourquoi 7 kings ça m'a fait penser à une bar mitzvah. Me posez pas la question. Bah ça dépend, c'est au bout de combien de kings qui commencent à s'entrefaire chier eux-mêmes? Bah au bout de deux à mon avis. Mais t'as vu qu'il en faut pas bien plus hein. Un seul, ah bah tu vois. Hep, biop. Non bah, parce que voilà, c'est la vraie question. C'est arrivé à ce moment-là justement, bah au bout de deux kings, t'as plus de problème. C'est ça. Deux kings c'est un jeu d'échecs, mais putain. Deux kings c'est un jeu d'échecs. Ça marque un point là. Alors attendez, avant de lancer le jeu, je voulais voir sur How Long to Beat combien de temps dure ce jeu. 1h30. Ouais, déconne pas. Du coup, nous sommes sur Tomb Raider. Ouais, mais c'est juste Tomb Raider. Okay. C'est juste Tomb Raider. Tomb Raider. Pas Raider, Raider, c'est mieux. Ah, mais ça va, on vit dans une saucisse, mais pas les saucisses que t'as mangées. Oh, on vit dans une autre saucisse qui est beaucoup plus grande.
Ça me Et si quelqu'un la mange, ben, on est tous morts, mais on est dans une saucisse. Vous savez quelles étaient les dernières paroles de Stephen Hawking? Aucune idée. Je sens que ça va être une connerie, mais aucune idée. Je suis pas la seule à me parler à moi-même, ça me fait plaisir. Donc on a plus ou moins 15h30 de jeu sur Tomb Raider. Ok. La dernière période, c'est une bonne qui était Microsoft Windows XP Shutdown. Oh, mais quel enfer! Quel enfer! Hop, bien! Le jeu est là. T'imagines, ta vie est entourée de sons, mais avec ce que tu fais. Genre, tu te réveilles, t'as le son de Windows XP qui démarre. Il faut que je mette ça en réveil, en fait. C'est... Je suis en train de me dire, c'est le meilleur réveil du monde. Ah, parce que pas tout le monde se parle à soi-même. Il y a des gens qui ne se parlent pas à eux-mêmes, sachez-le. Comme il y a mais des la gens... vraie question, c'est on, comme dire, on a à peu près tous la petite voix dans la tête. Il y a des gens qui l'ont pas, cette petite voix. Oui, mais justement, c'est le truc, c'est on a tous cette petite voix dans la tête. Mais les personnes qui ont cette petite voix dans la tête, mais qui sont nés sourds, ils l'ont quand même. Ils imaginent comment cette petite voix. Bah, en fait, il faut imaginer que la petite voix qui est dans ta tête, globalement, c'est ta voix à toi, mais en plus aiguë. Grosso merdo. Oui, mais justement. Bah du coup, c'est littéralement leur voix à eux qu'ils entendent, mais en plus aiguë. Attendez, je sais pas. S'ils sont sourds de naissance. S'ils sont sourds, ils entendent quand même le son de leur voix plus aiguë. C'est, vu que c'est dans ta tête, c'est pas un son qui rentre dans tes oreilles. C'est un truc qui est dans ta tête. Oui, mais c'est dans ta tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'es sourd de naissance, t'as pas la sonorité, la façon de prononcer les mots. Ce qui fait que comment elle est la voix? Comment ils font pour réfléchir à cette voix? Bah, il la visualise autrement. Enfin, il visualise peut-être des mots ou des consonances que nous on n'a pas, on s'en fout. Justement, c'est est-ce qu'à la place de la voix, justement, ils ont plus. Autre chose qu'une voix, genre des images, des trucs dans le genre. Bah ça peut, moi j'ai des images dans ma tête. J'ai des images et j'ai des sons, c'est très bizarre. Ils pensent en langue des signes, il y en a. Alors attendez. Là. Quand tu dis ma voix dans ma tête, tu dis mes voix. En vrai moi j'en ai qu'une seule. Qui ici a déjà suivi les mauvaises idées de leur petite voix? Bonjour. Ça va, vous? Moi, jamais. Parce que mes petites voix, c'est plus elles qui font « Non, fais pas ça !»« Non, fais pas ça !» On s'était arrêté là? Non, on avait passé cette phase, attendez. Et puis quand je fais la chose, bah, la petite voix, elle est en mode « Ah, mais tu vois, je t'avais dit. C'était pas ça qu'il fallait faire. » Terrible. Terrible. Mais tu sais que j'ai appris qu'il y a des gens qui ont pas cette petite voix, genre, comment il s'appelle? Étoile? Il a pas cette petite voix, tu vois. Voilà, j'ai appris ça l'autre jour sur son live, ça m'a perturbé. Non, mais après, j'ai envie de dire, c'est il faut chacun. Enfin, chacun met son esprit comme il faut. c'est le principe, si t'arrives à bien représenter tout ça, ben ça crée le palais mental. Oui, c'est vrai. Raconte-nous, Isaiah, quelle était cette mauvaise idée de petite voix que t'as suivie? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais je me souviens avoir fait des bêtises. Venir rencontrer des gens comme nous. Oh putain, tu m'as fait peur. Mais pourquoi le son est si fort dans mon casque ce soir? C'est terrible. On s'était vraiment arrêté là la dernière fois? On n'avait pas traversé ce truc-là? Oui, mais toi, il a... Attends. Il a pas un pancréas correct non plus, mais putain. C'est terrible. Donc ça veut dire que la petite voix, en fait, elle loge dans le pancréas. Oh merde. C'est bon. Oh putain, mais quelle fatigue. T'imagines, en vrai, t'as jamais pensé à cet état. Et tu te rends compte qu'après, bah, toutes les personnes comme ça ont pas de la petite voix dans la tête. Oh putain. Tu en dis, vrai, oh merde. Excusez-moi, mais en vrai, c'est une question à se poser. Hein. Venez, on met en sound effect les sons de Windows qui démarrent et qui s'éteint.
Franchement, vas-y, mets-le dans le Discord, je le ferai à la fin du live, ou demain, si j'ai le temps. Mais si Fred est la voix dans la tête d'Élise, et si Fred a une petite voix, est-ce que ça devient une double voix? Ah! Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, j'ai enlevé la pause, il s'est passé un truc, il se passe des choses. Bah t'as juste le plafond qui a failli s'écrouler vu que ça brûle. Bah ouais, mais il y a eu un bruit de coup de feu, tu sais. J'étais pas prête. Là, c'est de la grenade. On s'en fout. Ah. Celle-là, peut-être. Pas du tout. Avec le lance grenade. Attends. Appuyez sur RB. RB. Sur RB. Attendez. Il est où mon lance-grenade? Attendez quoi? Mais. Avec ton fusil? Mais c'est avec le fusil. C'était avec le fusil. Bah, je sais pas, ça me semble logique quand il y a marqué appuyer sur RB avec le fusil pour détruire. Bah c'était pas écrit avec le fusil. Si. Putain, mais je sais pas lire. Je sais pas lire. Tout va bien. Non mais écoutez Quoi? Qui quoi? Non mais écoutez je veux pas de commentaires, je ne sais pas lire. Voilà. Et merci bien sûr. Merde. Si tu sais pas lire, comment tu fais pour lire? Bah... je me pose la question assez régulièrement, je t'avouerais. Voilà. Par contre, j'ai que 5 munitions pour cette arme. Non, en même temps, ça lance patate. C'est vrai. Ah, chaud. Chaud, chaud, chaud. Cacao. Chaud, chaud. Chocolat. Chocolat. J'ai raté mon tir. Aïe, aïe, aïe. Oh, je l'ai raté, il a eu de la veine. Yep. D'où ça touche pas par contre? Tu m'expliques? Ah bah voilà. Aïe, 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 aïe. Très bien. Comment ça je parle comme Elise? C'est Elise qui parle comme moi, mais personne ne parle comme moi. Je parle déjà pas comme moi-même. Aïe. J'ai paniqué. Il faut que je reprenne les contrôles en main, les enfants, hein, parce que putain, ça fait longtemps. Ok, on reprend les contrôles en main. Bah pas comme ça déjà. Voilà, plus comme ça. Putain. Ok. Un autre? Ah pu, très bien. Arrêtez, vous battez. Non, ils ont pas eu la chance, c'est juste toi qui s'est pas visé. Alors. Certes, mais faut pas le dire. Bah ils ont eu de la chance qu'elle s'est pas visée. C'est ça? Où ça? Où ça? Yeah. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Enfin monsieur. Enfin monsieur. Yeah, enfin messieurs. M'enfin. M'enfin. Il est où? Je le voyais pas mais je l'ai eu, c'est pas mal. Aussi. Il y en a un là encore. Il est pas mort. Il est mort. Mais je le voyais pas, mais son viseur, oui. Exactement. J'arrive à en voir quelques-uns quand même dans la pénombre. Comme celui qui est en train de s'approcher vers le bas. Mon dieu. Hé ! J'avais pas vu ça ! J'aime bien le truc qui facilite le jeu, mais sans que tu te rendes compte directement. Genre justement le curseur qui devient rouge quand t'as un ennemi dedans. Enfin le viseur qui devient rouge quand t'as un ennemi dans ton viseur. C'est vrai. Putain. Calmez-vous, messieurs. Ah, c'est une grenade. Ouais, bah ouais, mais attends. Y'a un mec qui me tourne autour. Moi aussi, je lui tourne autour en fait. Tout va bien.
Elise utilise le Spandersons, évidemment. Un jour, faudrait que j'arrête de reprendre les expressions d'Elise, mais pas aujourd'hui, exactement. Mais reprenez mes expressions, vraiment, c'est le plus grand honneur que vous pouvez me faire, c'est reprendre mes expressions. Mais putain, il arrête avec ses molotovs, lui. Il fait chaud. Il fait chaud, ça pique. Ils sont où? Il est là. Je l'ai vu. J'ai vu sa petite tête. J'ai vu sa petite tête dépasser à ce trou de cul. Écoutez, on va fouiller des gens, on va avancer. J'ai tellement hâte de l'avoir sur le Borderlands. Ah mais ça va être terrible hein. Ça va être absolument terrible. Où ça? Excusez-moi monsieur, où ça? Parce que vous tirez, mais en fait... Ah il est là. Il se concentre. Il est là. C'est bon? C'est fini? C'est pas fini! Il est où? Je le vois pas. On voit les ennemis? On voit pas les ennemis. Ah si, on voit les ennemis! Incroyable! Bonjour monsieur! Levez la tête! Lève la tête! Lève la tête! Bisous! C'est bon, il est mort? C'est bien une streameuse qui écoute son chat. Ah bah écoute. Moi j'aime bien quand les infos de chat, c'est pas des vrais infos de chat. Bon, il est mort? Oh mais monsieur, il peut mourir maintenant. Merci. J'ai plus de batterie. J'ai paniqué. Est-ce que j'ai paniqué? Pas du tout. J'ai pas du tout paniqué. Phew. N'oublie pas que tu peux taper au cac. Ouais, je sais. J'ai plus de balles. Est-ce que il a trouvé un... Bon, il est mort? Il est pas mort. Bon, il est mort? Il est pas mort. Il est pas mort. Je vois son arme qui se dandine. Le pire tire sur tonneau d'essence. Ah bon? Il y avait un tonneau d'essence? Il n'y avait pas de tonneau d'essence. Ok. Ah bon, le truc qu'il a trouvé, c'était pas un tonneau d'essence? Non, c'était un tonneau de flotte. Oh, ils sont pas drôles. Sérieux, elle se plaint quand je suis un connard. Et quand je veux l'aider, elle me snob. Mais je snob personne, quoi. Feu.jpeg dans le jeu, un peu. Un petit peu. Mais en fait, c'est le principe même de la chose. C'est quand t'es, comment dire, quand tu joues au connard, bah on t'entend plus parce que tu cries plus fort. C'est vrai. Et quand tu veux aider, bah les gens ils t'entendent moins. Rien par là. Parce qu'il y aura toujours un connard à côté qui va crier. Évidemment. Quelque chose là. Oh, des munitions. Je prends. C'est le principe même des par exemple de tous les extrémistes. Genre les féministes extrémistes, bah, elles sont chiantes parce que c'est celles qu'on entend le plus. Et du coup, ça fait des généralités qui font que la cause est plus compliquée à défendre. Ouais. Comment je monte là-haut? Je peux monter là-haut? J'aimerais monter là-haut. Y a-t-il possibilité de monter là-dessus? Pas du tout. Tant pis, on montera pas. Ils sont où les copains? Pas là, apparemment. Is there anything here? There is nothing here. Ah, cinématique. Comment ça, il y a d'autres connards que moi sur ce live? Mais t'inquiète pas, des connards, il y en a partout. Oh shit! Ah! Si vous me dites que ça détruit le décor, je suis pas dans la merde. Ya! Bon, tu lances une grenade. Ça suffit pas. Hartung! Grenade! J'ai détruit un truc, je sais pas ce que c'est. Ok, cours. Ok, on est bon. J'aimerais bien pouvoir... Ah. Secours. Mais ça va exploser si... Ouh. Oui, ça explose. Si on dit... Ça explose et ça prend feu. Ok. Non. Oh mais quel merdier. Ah, comment ça je me prends des balles? Secours. Ah mais y'a un mec là, mais je l'avais pas vu. Attendez. Enfin monsieur. Il est mort? Mais en fait y'a des gens de l'autre côté. Putain, mais je me fais tirer dessus. Aïe. Qui m'a tiré dessus? Où ça?
ça? D'où je me suis pris une flèche? Qui est le bâtard qui m'a mis une flèche? C'est l'archer là-bas. Bah ouais, mais je le vois pas. Mais qui c'est la concentration? Bah y a, là, y'a les dégâts là-haut. Là, y'a les cadavres. Je sais pas. Ya! Très bien. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Vous êtes des superbes cadavres. Vous permettez, je vous bille. Merci beaucoup. Ah? C'est bien le jeu qui te dit tu as un lance-grenade! Oula! Mauvaise idée! Mauvaise idée! Aïe 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 aïe! Blar! Évidemment, blar! Moi je dis ça, je dis rien, mais les gars, ça fait des années qu'ils sont coincés sur une île, et quand ils voient une femme, leur premier réflexe c'est de lui tirer dessus, c'est vrai! Ouais, ils ont pas compris l'expression tirer une cartouche. Ah ça? je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a fait boum. Alors, je considère que c'est bon. Lara, passe par-dessus. J'arrive. Va chercher Ross, je te suis. Et Sam, ne monte pas dans l'hélicoptère. Fais-moi confiance, d'accord? Ah bah, on ne monte pas dans l'hélicoptère, très bien. Allez. Se passe des choses. Très bien. Échappez-vous du complexe. Moi, je veux bien, mais c'est complexe. Pardon. J'espère que vous l'avez. Pourquoi j'ai rigolé à ça hein? Parce que c'était absolument nul. Hop. 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 Blimps. Merci, monsieur. C'est plus une note November à ce niveau-là. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ya. Je sais pas où je vais, mais on y va. Lentement, mais sûrement. Avec la musique qui pète un plomb. Elise, tu sors. Bah, c'est mon live, alors si je sors, il n'y a plus grand chose, tu vois. Moi, je veux bien, hein, mais. Comment te dire? Oh! J'en étais sûr. Cours. Je sais pas où on va, mais cours. Yes! Oh, moi, j'imagine bien. La demande d'embauche pour les gens qui sont sur cette île. Recherche homosexuelle pour tirer sur des femmes sur une île japonaise. Terrible! Assault! Ok, cours. Fais pas genre t'as mal! Ok, c'est même pas des non-croyants, c'est des incroyants. Ah! Mais cours, putain, Lara! Ah! Bah voilà, on n'a pas couru. C'est bon? Si, c'est la cinématique. Incroyable, c'est bon. Fanny Fire On. J'ai paniqué! Aïe! Tout va bien. Oh putain! Ah, ça doit pas faire du bien. Cours! Panique! Au secours! C'est la panique! Ah! Oh putain! Aïe, non, mais aïe, clairement, aïe. Les mots qu'il faudra que t'aies sur ta chaîne, c'est les mots de panique. Hein. Ah putain, oui! Ah! Attendez! Les tempêtes! Le temps des tempêtes! Non! Je le savais, tout ça, c'était de la faute de Sarkozy. Ah oh, merde! Bonsoir, c'est Nicolas Sarkozy. Ah oh, merde! Ah! C'est par où? C'est par là! C'est pas par là! Ok, c'était par là. Bah, très bien. Minimo, t'es une courbe. Tout va bien. Panique! Mente. Comment ça, t'as déposé un cadeau? Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, les QTE, putain de merde! Ah, putain. Ah, j'aime pas. J'aime pas les QTE. J'arrive pas à lire ton message. Les gars sur l'île non plus. Ils ont paniqué. Vous l'avez. Ah oui. Ah bah oui, ils ont paniqué, ouais. C'est par où? C'est par là. Bah sauf si l'annonce c'était vraiment celle que j'ai.
Après, ils peuvent très bien niquer entre eux, tu vois, mais Oui, bah, c'est ce que je dis. Panique! Tout va bien. Oh, mais qu'est-ce que... Lara, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai dit de sauter vers le haut, elle a sauté à droite. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Si je demande à tout ça, les petites annonces. Recherche mercenaire pour mourir dans un temple japonais. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Hey, monte, Lara. Monte. Quelle mauvaise idée de monter sur un toit. T'as jamais vu la fin du jeu? Caractéristique appréciée, tueur de femmes. Terrible. Parce que, attendez, on est sur la fin du jeu, là. Bah, apparemment, t'étais à 40%. Ouais, c'est ça, je me dis. On va plus sur les 50%. Après, est-ce que c'est 50% sur la totalité du jeu ou sur l'histoire? Ok. Ah! J'avoue que j'ai jamais terminé le jeu aussi. Absolument pas. Ah bah, fantastique. Salt! Oh putain. Oh putain, tu m'expliques comment je me suis pas mangé la palle de l'hélicoptère? Parce que bullshit. Scénarium, putain, scénarium. Sur l'histoire, pas sur le jeu en totalité. Ok, très bien. Ça, ça fait penser. Rajouter à ma liste de jeux à réinstaller. 3, 10, 3. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais... Il fallait. Désolé, j'ai pas encore risqué ma peau. Allez, moi je vous demande d'abandonner pendant un petit moment. Oh, je reviens plus tard. À tout. J'avoue, j'ai réussi mon jet des vents. Ça va faire boum, les enfants. Ça va terriblement faire boum. Ma manette vibre trop. Je pense que ça a fait boum. Ça a fait boum. Tu m'expliques comment ça a survécu à ça? Apparemment, ça a survécu. Bah, tout va bien. Lara! Il va faire tout noir, ta gueule. Ah! Ah, la jambe. Ah, la jambe, Berk. Monsieur, il faut qu'on ait le dos à plat si tu veux nous faire du bouche à bouche, sinon ça ne sert à rien. En fait. Non, allez là. Morte, fin du jeu, ouais, j'avoue. Eh, ça fait boum, chef. Tout va bien. Tout va bien. Alors, il vise quand même beaucoup mieux que nous, ce mec. Y a pas à dire. Il va se retourner, il va se prendre la machette. J'en étais sûr. Mais quel débile, il vise mieux que nous. Est-ce qu'il en profite pas un peu, Laros? Non, je pense pas. Je pense juste qu'il a jamais été éduqué au massage cardiaque. Non, mais sans blague, il vise 1000 fois mieux que nous. Je vois des gens qui sont morts. C'est pas toi qui les as tués? Si, peut-être. Pardon. Tu y arriveras. C'est pas dit. Tu es une Croft. Ah bah si, on est une Croft alors. Bah dit. C'était un plaisir, papy. Au revoir, papy. Il aurait pas pu tuer le mec avant qu'il jette l'âge? Bah non, parce qu'on avait plus de cartouches. C'est... Il a fallu qu'il change de pistolet pour que... Pour qu'il ait des cartouches. Non, pas ça. Après, au lieu de se tourner, il aurait pu jeter sur le côté. Tu n'as rien, Lara. Mais bon, c'était un risque quand même. Tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça?
Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là. Souris, notre souris. Tu es injuste, Reyes. Je sais. Procès de suicide, mais putain. Mais bon. Ross, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Pas de soucis, King, bisous. Bon, guerrier, il faut lui rendre hommage. Allez, creusons une tombe. Alors qu'il y a des guerriers Ross qui veulent nous casser la gueule. Faisons un grand feu, comme ça on sera pas du tout spotted. Mais oui. Mais oui. Intelligent. Utile. Putain. Non mais... Oh mais qu'ils sont cons. Je veux bien que tu rendes hommage à un mec. Mais quand même. À un moment... Cette vieille vedette sur la plage. Sois pas stupide. Je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Allez, Lara. Faut pas dire ça. On doit se reprendre, mettre au point un plan, tu vois? Vous ne comprenez donc pas, aucun de vous, quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres, mais cet endroit bat tous les records. C'est les aventuriers, on n'a jamais dit qu'ils étaient intelligents, on est d'accord? Je suis complètement con. Et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Oh, attendez. Le mec, son collier, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un hameçon. En fait, c'est... Vous le savez pas, mais c'est Maui. C'est complètement Maui. Tu ne fais pas à ton instinct, mais tu as tort. D'un instant à l'autre, il va se transformer en requin. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. Oui, mais séparez-vous, mais putain! Garde ça sur toi. Oui, puis donne-lui ton arme! Évidemment! Mais quel débilus! Putain! Mais c'est pas possible d'être con comme une chaise! Oh. On a fait un feu de l'enfer, on est spoté à 8000 km. On reste à côté du feu et on donne notre arme! Mais oui, mais bien sûr! Ross, qu'est-ce que je vais faire? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Oh merde, il nous parle! Il faut que tu crois. Oh merde, en fait, il est pas mort, on l'a cramé. Oh merde. Compliqué. Les tempêtes. Elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau. On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. Je sais pas comment elle arrive à comprendre des trucs de sa carte alors qu'il y a rien d'écrit à part juste une croix. Jonah. Reyes. Jonah, rien du tout. Reyes, rien du tout. J'ai failli me jeter dans le vide. J'aurais jamais... Le Batal. Alors, Ross. Lara, je suis désolée, tout est de ma faute. J'avais fait une promesse à ton père. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai juré de veiller sur toi, de te tenir à l'abri du danger. J'ai fait exactement l'inverse. Je t'ai fait courir les plus grands risques, et maintenant, c'est toi qui veilles sur moi. Tu sais, tu es comme ton père. Il était l'homme le plus intelligent, le plus sage et le plus fort que j'ai jamais connu. Il ne renonçait jamais, quels que soient les obstacles. Je suis inquiet pour toi, mais je sais que s'il y a bien une personne qui peut survivre ici, c'est Lara Croft. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches, que je t'ai aimée comme la fille que je n'ai jamais eue. Je suis fière de toi. Oh, bichon. Bichon. Regardez ça, il n'y a plus une trace de son cadavre. Mon dieu. On t'avait dit de te jeter sur le côté en même temps, Ross. Bah oui, évidemment. Putain. Oh. Donc. Les larmes ne me ramèneront pas, Lara. Tais-toi. J'ai pas envie de l'entendre parler, c'est terrible. Ok.
Alors, compétences. Qu'est-ce qu'on a dans les compétences? Ça on avait. Ça c'est quoi? Utilisez votre pieu écran pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Donc ça c'est du corps à corps. Après avoir esquivé une attaque, plantez une flèche dans le genou de vos ennemis. Ça peut être pas mal. Ça c'est coincé, on peut pas y avoir ça. Ok. Là-dedans, on a quoi? Costaud, permet de transporter un maximum de mumu. On aime bien les mumu. Ok, et là-dedans, on a... Là-dedans, on a presque tout. Presque tout. TG Lara, TG Elise devient insolente. Mais Elise a toujours été insolente. On va prendre ça. Parce que bon, avoir plus de mumu, nous on aime. Hop. Et on va prendre le truc pour mettre des grands coups de piolet dans la gueule des gens. Appuyez sur Y pour achever les ennemis étourdis avec le piolet. Parfait! Parfait, parfait. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans? Ça, on a tout. Ça, on a tout. Là-dedans, il nous manque des trucs. Ça, on n'a pas. Chargeur est plus facile à insérer, ce qui diminue le temps de recharge. Oh oui, on va le prendre tout de suite, ça. Poignée ergonomique. Réduire le recul. Oh oui. Oh, des tirs silencieux. Mais oui, mais bien sûr, monsieur le juge. Je prends absolument tout. Voilà. On prend absolument tout. Voilà. Mais on met pas des coups de piolet dans les gens. Bah si, on met des coups de piolet dans les gens. C'est des doigts qu'il faut pas mettre dans les gens. Si après on se coince, c'est compliqué. Où est-ce qu'on est là? Perdu, n'est-ce pas? On est complètement perdu. Oh, il y a un truc là qui brille, attendez. Qu'est-ce que c'est? Une géocache! Boum boum! Ok. Là, il y a une boîte. Il y a des trucs dedans. Là, il y a notre avion qui s'est vautré. Oh, il y a plein de lapins! Qu'est-ce que c'est? C'est juste des champignons, ça? Oh, des champignons! Oh, je peux prendre les champignons. Cueillette. Défi débloqué. Terminez-le pour de l'XP. Quoi? Rien au moins. Un champignon sur 10. Putain, mais on peut récupérer des champignons! Oh, mais si on me l'avait dit plus tôt. Moi, je veux récupérer les champignons. Champignons! Des champignons partout, les gars. Ah là là. On va tellement le faire, ce défi de cueillette de champignons. On va faire le tour de tous les arbres du monde, les enfants. Ça va être terrible. Pas d'autres champignons, là? Mangez-moi. C'est le chant du silo qui sourit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Mon dieu, Pierre est toujours là. Il n'a pas fini de manger. Bah, faut croire. Putain, tu reviens. Vous tu reviens, Lara, elle panique et elle fait « Fais moins de bruit !» Ah, très bien. Ouais, fais moins de bruit. Elle va se calmer tout de suite, Lara. Hein. Ah bah oui. Quoi? Qui? Qui a trouvé quelque chose? Qui parle? Opportuniste. Tellement d'opportunités. Putain, j'entends les loups qui gueulent aussi là. Ok. J'entends les loups. Pierre qui fait la vaisselle. Putain, terrible. C'est bien, je suis pas la seule à faire la vaisselle en regardant des lives. En même temps, tu te fais chier quand tu fais la vaisselle. Ah, ça, je te le fais pas dire. Lara, tu te calmes. C'est pas comme si j'avais passé quelques années à faire la vaisselle tous les jours. Bah moi je la fais tous les jours en fait. C'est moi qui fais la vaisselle chez ma mère. Merde! Et merde! Ah! Ah mais quoi? Ok, j'ai rien compris. J'ai paniqué, j'ai rien compris. Très bien.
Bon, j'allais dire, bah, disons que on a de la vaisselle, du coup. T'as trouvé quelque chose ? Voilà. Ouais. Non, moi je mets de la musique quand je fais la vaisselle. C'est vrai que c'est bien aussi la musique. Pouf. Ils ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils ont rien vu. Ok. Je suis un mage ninja. On ne sait pas que je suis là. Tellement pas là. Je suis tellement pas là, ils savent pas où je suis. T'es mal. Oh, des champignons! Ils savent pas où je suis. Oh, j'ai raté mon tir. Oh, je suis une connasse. Tout va bien. Putain, mais. Deux fois de suite. Et merde. Et merde. Non, le chien! Putain, mais je l'ai pas touché celui-là. Ah, panique. Ah, mais quoi? Je me prends des tirs, je sais même pas d'où ils viennent. Non, tu meurs le loup. Non, tu meurs. Il est où? J'ai paniqué, je panique. Ça y est, j'ai paniqué. Ah, je panique. C'est la fuite, Le petit pas, petit pas. Allez. Allez, viendez, je vous attends. Merde, il est passé lui. Aïe. Oh, j'ai raté mon tir. Aïe. Les embouchures, les enfants. Les embouchures. Meilleur moyen pour buter ses ennemis. Vraiment. Regardez ça, ils se font des câlins entre cadavres. C'est incroyable. Oh, des champignons! À moi. Attendez, parce que du coup, j'ai pas pu regarder s'il y avait des champignons ici. Pas de champignons. Ok, très bien. Pas de soucis. A tout à l'heure, Kia. Succès déverrouillé pointilleux. Très bien. Qu'est-ce que... Ah, qui me tire dessus? Qui quoi? Qui? Où? Mec là-bas. Oh putain! J'ai pas tiré sur des loups. Aïe. Laissez-moi dépecer ce loup. Lève-toi que je te tire comme un lapin. Il veut pas se lever, hein. Allez debout. Il veut pas, hein. Regardez-moi ça, ce couard. Ce couard qui veut pas se lever. Bou le couard, bou. Putain, mais quel planqué. Ah bah voilà, il s'est levé. Oh, mais il se rebaisse, mais enfin monsieur. Je peux même pas... Il se rebaisse. Exactement. Oh, je l'ai raté. Je crois que je l'ai eu.
suis pas sûre, mais je crois que je l'ai eu. Je vous ai eu, monsieur ? Je crois que je l'ai eu. Je crois franchement, que je l'ai eu. Je serais vous. Vous m'auriez eu. Alors ? Je vous aurais dit. Putain, tu me fatigues. Vraiment, cette ref, elle me flingue. Putain. Oh, y'a un camp, là. C'est bon, y'a plus personne. On peut aller chercher les champignons ? Allons chercher les champignons. Si vous voyez les champignons, criez. Ah ! T'as vu un champignon ? Non. Bah ferme ta gueule alors. Oh, y'a un mec là-bas. Il est où ? Il est debout là ? Est-ce qu'il est debout ? Ou est-ce que c'est juste une lampe torche qui est buggée ? Ça a l'air d'être juste une lampe torche qui est buggée. C'est juste une lampe torche ? Tu vois, il y a une lampe torche qui flotte. Mais... Il y a un mec, il a oublié sa lampe torche. Il a oublié sa lampe torche. Enfin. Enfin, monsieur. Oh. Oh, les champignons. J'en ai 5 sur 10. Le monsieur il a oublié sa lampe torche. C'est tout de même complexe. Bah je suis pas sûr qu'il en ait bien l'utilité maintenant. Oh, y'a une géocache, je l'ai vue. Elle brille. Elle a fait bili bilip dans mon oeil. Bon bah si elle fait bili bilip dans ton oeil. Y'a rien par là. Si tu dois aller consulter un ophtalmo. Ouais c'est possible. Ouais, il y a une discrétion dans la flotte quand même. Qu'est-ce qu'on a par là ? Nouveau camp découvert, pavillon de chasse. Il y a clairement un truc à ouvrir par là, on est d'accord. Ah ! Je peux pas sauter derrière moi. Très bien. C'est pas par là qu'on y monte. Là-dedans. Oui, il y a une boîte là. Ah, moi. Elle a pas d'argent pour l'ophtalmo. Ben, l'ophtalmo c'est remboursé normalement. Tout va bien. Puis on trouve toujours de l'argent pour des soins médicaux. Est-ce que je peux y faire tomber ? Sauf si t'es en Amérique. C'est vrai. Ça tombe, chef. En Amérique, ils te soignent pour ton DT. C'est vrai. On peut passer par là. De là, on peut aller d'où ? On peut aller là-haut. C'est risqué un peu, mais on va tenter. Hein. Est-ce que je peux sauter et accrocher un autre truc ? Eh, oui. Tout va bien. Ok. Ensuite, de là. On monte. Yep. On prend cette caisse. Et ensuite... Oh, il y a une géocache là-bas. Comment j'y vais ? Comment ? Par où ? Par où le jeu ? Où c'est que tu veux qu'on passe ? Je ne sais pas. Si je saute. Genre, yaaah ! Oh, ça marche ! Incroyable ! J'y aurais pas cru. Il y avait un autre moyen de monter, n'est-ce pas ? Probablement. Du coup, on a cette géocache fantastique, mais... ça me dit pas comment je monte là-bas, en fait. Mais, on trouvera. On trouvera. Oh ! Ça, on prend. De touche. Voilà. Une boîte. À moi. Amélioration trouvée, ça m'a dit. Ouais, on va trouver une amélioration. Oui.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que le truc d'amélioration, il était pas marqué en plein dans mon écran. Pourquoi le jeu n'est pas bugué une seule seconde? Alors, une amélioration, pourquoi? C'est quoi un bug? C'est un bug. Non, mais de toute façon. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de bug. Il y a juste des choix artistiques. Évidemment. Moi, j'aime bien les boîtes. J'ai un problème avec les boîtes. Améliore la cadence de tir. Ouais, elle aime bien les boîtes de nuit. Bon, rien à voir. Ça, c'est une boîte, non? Tranquillement maximum. On entend la portée, mais je m'en fous. Capsule incendiaire. Mais. Madame boîte, évidemment. Non, Madame boîte, ce serait plus ma sœur en vrai. Parce que ma sœur, elle aime encore plus les petites boîtes que moi. Voilà. Toujours de petites boîtes. Non mais c'est à dire que ma sœur, quand on trouve des jolies boîtes ou quand on récupère des jolies boîtes, c'est juste des petites boîtes en carton. Bah on lui met de côté, tu vois. Genre elle a une petite boîte avec du violet à l'intérieur et puis elle a deux bébés boîtes qui l'attendent. Voilà. C'est comment te dire? Elle est bizarre ta sœur. Mais non, ma sœur elle est incroyable. Mademoiselle Boîte, bizarre, évidemment. Elle peut pas dire qu'elle est pas incroyable, hein. Elle est bizarre. Écoute, elle est bizarre, je suis bizarre, nous sommes bizarres. Je vois pas où est le problème. Garde-tempête. Alors, garde-tempête, nous trouvons à la veille d'un grand changement. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. Mais cette victoire ne sera qu'un commencement. À l'aube, quand la lumière de notre reine est... Attends, quoi ? Atteindra l'océan et les terres que nous... Attends, et les terres ? Et que nous serons touchés par sa grâce, tous nos ennemis brûleront. Ça m'a l'air sympathique ! Si je puis me permettre. Ça m'a l'air d'être un sacré plan. Bon, il veut juste faire un petit barbecue, c'est tout. Comment ça, je faisais partie de l'équipe de... Je sais pas quoi. Qui ? J'ai vu des champignons. Oh, je le vois. Oh, je les vois. J'ai besoin de renfort. Eh merde. Oh putain. Oh putain. Oh les arbres! Oh la fuite! Vous sentez la fuite là? Ah la fuite! Retournons dans le goulot d'étranglement. La fuite. La fuite? Mon dieu, elle veut étrangler un goulot. Évidemment. La fuite! Je suis pas là. Je suis pas là, ils m'ont pas vu, je suis pas là. Merde, c'était où? C'est par là-bas. Non mais je suis pas là! Je suis pas là. Ah, ah. Allez, viens, je vous attends. Je suis allé trop loin dans le boulot. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Non, mais niquez-vous, j'étais derrière un arbre. Mais enfin. Comment ça, nous sommes apprentis plombiers ? Comment ça, apprentis plombiers ? Comment ça ? Je vais te démerder avec ce que t'as dit. Hein. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah justement, c'est pour ça que je vais te démerder. Bon, on s'occupe des fuites. Ah, mais putain, mais quel génie ! Non mais oui. Non mais des génies. Pas d'autres champignons hein. Oh un tombeau. À moi.
Je me souviens plus comment on fait pour allumer la torche. La 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 la, ça me gratte le nez. Il est déjà 20h50 les enfants. On s'arrête à 21h30 ce soir. Oups. Déjà ça. Truc pour allumer la torche, truc pour éteindre la torche. Faut de la lumière là-dedans, déjà. Est-ce que ces trucs-là, genre... Il est déjà allumé. Est-ce que je peux tirer dessus et le ramener vers moi? Pas X pour la torche, si peut-être. Ah! J'ai poké un truc? Oui, j'ai poké un truc. Très bien. Ok. Ah! Ah! Très bien! Ça va faire boum, chef. Ça a fait boum, chef. En fait. Vite, partons avant de mourir du gaz. Ah, le gaz! Ah, le gaz! Ça pue! Très bien. Tout va bien. On va par là. Par là, je peux pas monter. Je peux pas monter parce que ça, ça coince. Est-ce que je peux, genre... Pas du tout. Pas du tout. On y voit Pouic. Non, parce que les bras zéro ils fument, mais ils sont pas allumés. Est-ce que je peux vous allumer, monsieur, à grands coups de flèche enflammée? Vraie question. Apparemment, ça marche. Si je fais bump, c'est allumé. Si je fais bump, il s'en bat les reins. Est-ce que le mur, je peux courir de partout dessus? Je sais pas. On va aller sur le mur. Écoutez. Je peux m'agripper que là. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais m'est avis que c'était pas une bonne idée. J'ai moyen de revenir en arrière sans mourir? Bah ça pique les genoux, mais oui. Très bien. Ok. On court. On monte. Si je tire ça suffisamment fort, est-ce que ça va y toucher? Pas du tout. Pas du tout. Si quelqu'un a une idée dans le chat. Attends, j'ai pas suivi. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il faut que je détruise ça. Est-ce que juste si je tire dessus, ça marche? Je suis pas sûr. Hein. Non, on a déjà testé de tirer dessus, ça marche pas. Je sais plus. T'as un truc à embrouiller une corde à tirer? Bah... Oui et non, quoi. J'ai raté mon tir, ça vous y croyez? Ah bah si, juste tirer une flèche dessus, ça marchait, bah très bien. Écoutez, très bien. Crunk, tout va bien. Tout va bien. Aise. Non mais aise. Aise. Ah bah tu te fais chier pour rien. Oh oui. Puis j'ai perdu la masse de flèches pour rien, surtout.
estompillée une. Sanctuaire des gardiens. Boop, boop. Maintenant, comment on redescend? C'était pas ça, n'est-ce pas? C'était ça. Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Oh, mais quel merdier! Mais mon dieu, mais on a tant de trucs! Regardez! Il y a tellement de machins! J'ai pas fouillé les zones! Mon dieu, mais il va falloir qu'on fouille un peu parce que là, il y a plein de trucs! Hein. Genre là, il y a une géocache. Forêt de montagne. Relique. Géocache. Relique. Il y a des reliques partout. Comment je descends sans mourir? Comme ça? Comme ça, incroyable. Hop. La la la. Whip. Voilà. Je voulais laisser chercher, bien sûr. T'inquiète, t'es pas la première à avoir loupé des trucs. Bah, je m'en doute. Je m'en doute, bizarrement. Putain, mais par contre, elle veut pas courir hein, quand elle rentre dans un tombeau ou quand elle en sort. Hein. Vraiment, no way. No way. Ok, saut. So, éteindre la torche, parce que sinon on n'est pas discret une seule seconde. Du coup... De l'autre côté de la forêt, il y a une relique. Du coup, ça sert à quoi? Pourquoi j'ai un machin comme ça? À quoi je peux l'accrocher? Je sais pas. Je sais pas. Point de compétence. Ne sais pas. Non, l'eau c'est. J'ai débloqué des trucs ou j'ai pas débloqué des trucs? J'ai pas débloqué des trucs. Et là? J'ai pas débloqué des trucs, je crois. J'ai rien débloqué du tout. Alors c'était là-dedans? Capsule incendiaire, non. Rafale, non. Non, j'ai rien débloqué, pas très bien. Très bien. Bon, on va courir de l'autre côté. Tap, 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 tap. Map. C'est à côté de la géocache. Allez. C'est dans ce truc, hein, du coup. Est-ce que juste tirer de là, ça marche? Oh, mais ça marche, mais putain, mais qu'est-ce que je me faisais chier? J'ai aucune idée. Ce sont les choses qui arrivent. Et du coup, là, on peut faire oui. Et plouf. C'était quoi ce bruit terrible? Pourquoi le jeu, il a fait genre, il y avait un truc alors qu'il y avait rien? C'est affreux. Pourquoi il fait ça, le jeu? Pourquoi enfin, pas? C'est... Ça se fait pas? Monsieur le jeu. Attendez, j'ai vu un champignon. J'ai vu un champignon. J'ai vu un champignon. Je peux pas passer au travers, mais d'accord. 6 sur 10, les enfants. 6 champignons sur 10. C'est bien, on avance. Ok, c'est pas là. Ya! Ça, je prends. Allez. Elise fait plouf, elle est contente. Évidemment. La vie parfois fait plouf. Hein. Plouf. Plouf. La vie parfois fait plouf. Oh. Oh. Ya yeah. À moi. Qui a eu l'idée de foutre un truc cette ici quand même chinoise est très ancienne. Oh, elle est belle. Papa en avait une comme ça dans sa collection. De 854 avant Jésus-Christ. Incroyable. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une géocache de l'autre côté de la mer. Allons-y. La 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 la. Ah bah du coup la lampe torche elle a disparu, c'est triste. Tant pis. Et la géocache est littéralement droit devant nous. Comment ça littéralement droit devant nous?
derrière moi. Par là. Putain, mais. Ou quand, comment? Là-haut, peut-être. Non. Oh, j'ai trouvé. Là. J'ai. À moi. Il y a plein de bébés champignons en plus. Et ensuite, l'autre machin, il est droit devant nous. Ok. Oh, des flèches. À moi. Flèches. Très bien. Mais encore. Par là. Ah. Ah, comment on y monte là-haut? Comment on monte là-haut? Monter par cette tyrolienne là. C'est pas bon les champignons. C'est incroyable les champignons. Commence pas à mal parler des champignons. Eh, je sais pas. Par ce petit tronc d'arbre là. T'es mort, on marche sur un petit tronc d'arbre. Et on fait ya! On s'accroche. Incroyable. Et là, on monte au-dessus. Là. Bah, là-bas, on saute à là-bas. Je peux faire une tyrolienne pour là-bas en bas. Incroyable. C'est pas utile, mais. Accroche-toi. Ya! Là, on monte. Oh, on est plus que 3 les enfants, comment ça on est plus que 3? On est censé aller embêter Ata et on est plus que 3? Mais enfin. Stress. Trop de verre dans ce chat, mais un peu ouais. Une dague chinoise ancienne. Ok, elle est belle. Du 1er siècle. Depuis combien de temps les bateaux viennent-ils s'échouer sur cette île? Longtemps. Ok. Là, on a presque tout. Il nous manque une géocache là-bas. Et il nous manque une relique par là-bas. Par là-bas, quoi. Hop. Ils nous ont tous abandonnés. C'est fou quand même. Hein. Je crois que les gens aiment pas ce jeu. Je pense. Oui, ils l'ont déjà vu et revu. C'est possible, hein. Je sais pas où ils sont partis. De toute façon, ils disent même pas au revoir. C'est ça. J'avoue. C'est n'importe quoi. C'est vraiment des petits cons. Aïe. Donc là-dedans, il y avait un truc. Ici. Où ça, ici? Droit devant nous, apparemment. Il y avait un truc genre là et je l'ai raté? Moi. Comment ça, je l'ai raté? Au-dessus, peut-être. Pas une seule seconde. Oh, ça y est, un truc. Un lapin! Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! Quel tir incroyable! Il a cuit, par contre. Aïe. Incroyable tir. Oh, j'ai trouvé le machin. Très bien. Hop. Là. J'ai. Bastien, mais il y a plus personne en fait. Où sont les gens? C'est moderne, peut-être du 18e siècle. Attends, donne-moi une seconde. Y a plus personne. Il y a plus personne. Si, je vois, il y a Tim Tim encore. Tim Tim est caché, Tim Tim est là. La carte est là pour contraster avec le bois lac et noir. Bah en vrai, s'il y a personne, on va pas l'embêter parce que on va pas le raid. Les taches de sang. Quelqu'un a utilisé ce couteau récemment. Sympathique. Mais voilà quoi. Ce sont les choses qui arrivent. En tout cas, moi à la fin du live, je vais quand même aller passer un coucou là-bas, quoi qu'il arrive. Il va passer un coucou et rester sur le live jusqu'à la fin. Ouais, en gros, ouais. Après, j'aime bien les live data. C'est reposant, je trouve. Le prochain truc, il est...
Ça c'est notre sortie, mais c'est pas là qu'on veut aller. Il est au-dessus. Mais je peux pas y aller là pour l'instant. Si ? Non. Pas l'impression. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Oui, on peut remettre ça demain. C'est pas un problème. De toute façon, tant qu'Ata est en live, y a moyen. Yep. Alors, on est censé casser la gueule de ces gens. On est d'accord. On verra du coup pour 21h30 ou 22h. On verra. Ils veulent pas bouger? Genre ils restent tous les trois au même endroit? Ah, je les ai pas eu. Putain, y'a un loup derrière moi. Aïe, y'a un loup sur moi. J'ai plus de mumu, j'ai plus rien, je vais crever encore. Je vais crever comme un caca. Putain. C'est pas possible ça. Où ça? Ah bah là. Très bien. Ils sont où? Évidemment t'as perdu le visuel. C'est où je suis? C'est où je suis? Allez, tu meurs. Ah ah, panique. Pas bien. Aïe aïe aïe. Ok. C'est bon, ils sont morts. Très bien. Très bien. Aise. Aise. Tout va bien. Facile même, je dirais. Easy. Easy peasy pocket money. Ch'tonk. En tout cas, c'est bien aimable, Jack. Merci beaucoup. Un coffre à moi. Ya. Truc d'amélioration. Très bien. Un par là. Un par là. Allons-y. Là, il y a des cadavres à piller. On va piller les cadavres. Slurp. Il était où l'autre? Il était là. Comment ça? Comment ça, pas slurp? J'ai pas fait slurp. Ouais, tout pareil, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est sûr aussi. Bah, en même temps. Ah, bah ça. Champignon! Voilà. Il nous manque 3 champignons. Et j'ai l'impression qu'on va passer dans une autre zone. Donc ça me fait chier un peu. Elise, meilleure gameuse, alors on va peut-être pas pousser le bouchon aussi loin, Maurice. Qu'est-ce que... C'est cracra, putain, pourquoi on fait ça? Ah! Ah! Où ça? Où ça? Oh putain! Des loups. Comme ceux dans la forêt. Ils essayent de les dresser. Pardon, mais il faut les tuer, ces bêtes, elles avaient la rage. Et je sens que si je les tue pas maintenant, il y a un moment je vais me les prendre sur le coin de la gueule. Je sais pas pourquoi. Puis en plus, ça me fait des points. Moi, j'aime bien les points. Y'a plus qu'un là? T'inquiète loulou. Oh, il fait pas de bruit celui-là, attendez! Ah si, ça y est. On a là-dedans aussi?
chut. Bon, j'ai plus de flèches. Mais au moins... Au moins, on se les prendra pas sur le coin de la gueule. Maurice était mon chat. Incroyable. C'est trop mignon comme nom pour un chat, Maurice. J'adore. Alors moi, Maurice, c'est un poisson rouge. Oui. Mais il a ça a bien le droit d'être un chat aussi. J'ai raté mon... J'ai compris. Là ça fait crunk. Et nous on fait yatta. J'ai raté mon tir. J'ai raté mon tir. On est reparti. Crunk. Ya. Voilà. Marche mieux d'un coup. J'entends des bruits qui font peur. Ce sera plus simple comme ça. T'as quoi? Va dire ça à ma mère, c'est elle qui a choisi le nom. Mais moi j'aime bien Maurice. Je veux dire, donner un prénom d'animal. Enfin, d'humain à un animal, pardon. J'aime beaucoup. Voilà. Putain, mais du coup, on a tout... Jusqu'à ce que t'héberges un ami, tu dis fais attention, Kevin, il vient peut-être pendant la nuit dormir avec toi. Non, mais pas ce genre de nom. Genre des noms de vieux, tu vois. Genre, on avait récupéré un chat et on l'avait filé à un ami de ma mère pour qu'il l'adopte. Et il avait appelé Lucien, tu vois. Ah bah fais attention, Lucien, il va peut-être vouloir dormir avec toi pendant la nuit. Mais il était trop mignon, Lucien. C'était terrible parce que, en vrai, l'histoire de Lucien, elle est atroce. C'est nos voisins d'à côté qui ont déménagé et qui ont abandonné leur chat dans l'appart. Donc il y a un des deux chats qui est tombé du troisième étage et qui du coup a refait sa vie dehors. Mais Lucien, il s'est retrouvé enfermé tout seul dans 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Mais quelle bande de connards. Bah si ouais. Tu l'abandonnes avec ton chat, tu l'abandonnes dehors. Et encore, tu l'abandonnes pas dehors parce qu'en vrai, les chats, ça survit pas tout seul dehors. Ça va, techniquement, ils ont toujours l'instinct de chasseur, ils arrivent quand même à survivre. Ouais, mais moyen, tu vois. En vrai, ils survivent pas longtemps. Ou en très mauvais état. Putain, c'est beau ici, eh. Bah, c'est plus à cause des connards qui aiment bien... Leur rouler dessus. Voilà, leur rouler dessus qu'ils survivent pas longtemps. Mais sinon, ils arrivent à survivre assez longtemps parce que, ben, surtout en campagne, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de rongeurs, il y a plein de tout. Bah, plus longtemps que les chiens, on va dire, mais quand même, un chat, c'est pas fait pour survivre seul. J'essaye de vous joindre depuis ce matin. On vient de regagner la plage. Le bateau est dans un sale état. Sans les bons outils, on aura du mal à le remettre en marche. On va avoir besoin d'un coup de main ici. Vois ce que tu peux faire. J'arrive. Fais bien attention à toi. Ouais, fais attention. Fais attention. Enfin, bref, et du coup, ce chat passait sa vie à venir sur notre balcon parce que les deux balcons se rejoignaient. Et du coup bah c'était devenu notre pote, tu vois. Il était trop mimes. Qu'est-ce que je fous là? Je suis où là? Perdu. On est là-bas. Aucune idée de comment on est. J'avais un chaton qui s'appelait Germaine. C'est trop. Fais attention, il y a peut-être Germaine qui va venir dans ton lit pour dormir avec toi la nuit. Germaine. Germaine. Une java ou un tango? Ah mais c'était pas là où on était avant? Si, on était en dessous. Bah si, évidemment. Moi c'est la phrase justement de l'animal qui veut dormir la nuit avec toi. Ça va bien pour savoir si le nom est bien ou pas. Dernier chat c'était Matahari, putain. C'est pas mal Matahari, moi j'aime bien. Bah. Moi je trouve que c'est un gâchis de jeu de mots. Pourquoi? Ils auraient pu l'appeler Matouari. Oh, j'avoue. Matouari, c'est incroyable. Pour te dire que je t'aime. Qu'importe le tempo. Wow. Quelqu'un a la rêve de cette chanson ou je me sens vieille?
Germaine. Germaine. Le début, perso, moi, ça me fait plus penser à Morales, hein, mais... Ça n'a rien à voir. Coucou Scorpion, ça va? Ah, que coucou. Mais elle venait tous les soirs dormir avec moi, alors. Alors. Lara, tu es là? Alex nous a dit que tu étais en route. Mais qui, Matahari ou Germaine? Je peux pas le savoir. Il faut que je te dise quelque chose. Très bien, on est dans le brouillard. Matahari, c'est encore. Alors, attendez. On est dans le brouillard. Je mets une pièce que quand on va en sortir, ça va être la baise. Tu es sûr? Tu vas en sortir, tu vas te retrouver à l'autre bout du monde. Oui, déjà. Mais Je remonterai la rivière. Mais je mets une pièce que c'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance. C'est la baise. C'est la seule solution. D'accord. Sois prudente. On sera prudente. Sur un malentendu, on sera prudente. Écoute, hein, faut faire attention. Si c'est la baise, va vite falloir que tu caches pour pas te faire ban. Germaine. Germaine. Oh merde, va y avoir des méchants là-dedans. Je suis désolé, mais le rythme, tu vas pas me dire que ça te fait pas penser à Morales. 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 Disparu de ton champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales. Morales. Toi qui voulais battre des records, à 20 ans déjà t'es mort. Pardon, cette chanson m'a vraiment matrixé le cerveau depuis que je suis petite. Qui voulait voyager, te voilà éparpillé. Toi qui as pris le pari de partir en confetti. Ok, fine, but. Saute! Alors, not sure about that, but most sure about this. Le chien que j'avais, c'était une véritable galère. Terry. Je sais pas où on va, mais on y va. Ouais. Il s'appelait Bertrand. Pourquoi Bertrand? Je sais pas. C'est trop calme. Il me dit que ça va bien avec une Germaine. C'est trop calme. Elle aime pas trop beaucoup ça. Elle préfère quand c'est un peu plus trop moins calme. Et ya! Oui, toi, à part que bon, j'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce que t'as fait comme cauchemar? Si t'as envie de le raconter. Bien sûr. Bien. Parce que tu as un cauchemar un peu traumatisant. Oui, on va pas te forcer à raconter. Si tu veux pas, bien sûr. Mais merde! Niquez-vous! Merde. Moi aussi, je peux le faire. Ok. Ah, ah, panique! Y'a un truc qui explose! Attendez, je panique! Oh, y'a un ragdoll incroyable! Si, c'est tellement galère, magnifique comme nom pour un chien. Est-ce qu'il y a vraiment un méchant qui vient de tuer son pote, quoi? Pourquoi on tremble? Quoi le. Le truc sur lequel on est, il tremble. C'est pas une très très bonne nouvelle, ça. Et merde. On va essayer de la contourner, qui dit. MDR. Grosse blague. Le chien qui s'appelle Galère. Le chien il s'appelait vraiment Galère. C'est incroyable. C'est génial. C'est un super bon chien. Aïe, aïe. Arrêtez de me tirer dessus. Ok. Et merde, ils ont une Gatling. Oui, mais toi tu vas dire. Mais c'est. Oh merde, c'est pas tiré. Ok. C'est con, je vais pas pouvoir looter tous les méchants. J'aurais bien aimé pouvoir looter tous les méchants. Ah! Dis-moi, pas où? Non, pas trop. Ah, plus le scorpion.
Ah, c'est sympathique, putain. Je panique, attends, je panique et ensuite je lis vos messages. Ok. 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 J'ai. Ok. Oh, mais quel connard. Mais quel connard. La manette qui vibre. Aïe. Ah. Ah. Aïe, mon père qui m'appelle. Papa, c'est pas le moment. Pause. Attendez. Attendez. Au secours. Je sais plus écrire en plus. Il t'appelle à des heures, mais... Bon, ça va en vrai. Hein. What? Ça va, hein. Il y a une époque, il m'appelait à 2h du matin, donc... Oui, c'est vrai que par rapport à ça, ok. Mais quand même 21h. 21h21, touchez votre nez. Voilà. Voilà, alors attends. Eh bien, c'est pas comme si j'avais vu mon verre en train de revenir de mort et que bon, il était un peu en train de bouger comme s'il faisait une crise sous mes yeux. Ah ouais, sympathique. Non, mais sympathique. Ok, très bien. Ok. Ok. Eh, il y a les QTE. J'étais pas prête. Définitivement pas prête. Merde, j'ai raté mon QTE, n'est-ce pas? Très bien, j'ai raté mon QTE. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Aïe. Qu'en fait, le premier truc, c'était juste pour te montrer sur quelle touche il fallait appuyer. Bisous au papa d'Élise qui fait paniquer. Oh, si tu le savais. Ok. Eh. Ok. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ok. On est bon. Aise. C'est bon ou on descend encore un peu? Non, c'est bon. C'est bon. Nice. Nice. On n'a pas encore fait une chute de 8000 mètres qui aurait dû nous tuer, comme toute personne normale. Faut bien. Ouais, parce que 8000 mètres, ça tue, toi? Attends, tu me la refais parce qu'elle parlait en même temps, j'ai pas compris du coup. Ouais, parce que 8000 mètres, ça te tue, toi? Bah, en général, oui. En général. Ah, moi ça va, ça fait juste un peu mal à la jambe. En général. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Ça, je vais pas dire le contraire. Ah, ça. Moi non. Et pourtant. Et pourtant. Eh! Non, tout va bien, j'ai cru que ça tirait, mais non, c'était juste. C'était juste les deux pièces de fusée là qui disaient. Tout va bien. Non, mais tout va bien, calmez-vous. Calmez-moi. Tout va bien. Il y a des trucs partout en plus là, je suis sûre. Je sais pas où je vais, mais. Et j'y vais. Là, il y a clairement l'entrée des murs. Oh, sanglier! Putain, 3 balles dans le cochon, hein, quand même. Slurp. Et il y a un tombeau proche. Théma, il est là, ton tombeau. Je tombe. Ya! Ça a pas marché. Comment ça? Comment ça, je peux pas encore faire ça? Oh, il y a une mine. Je pensais que si je tape dans la mine, elle... ça marche pas. Je suis déçue. Je pensais qu'elle allait exploser. Je suis extrêmement triste. Réalisme 0 sur 20. Oh, c'est un crabe. Oh. C'est pas le crabe. Succès déverrouillé, pâté de crabe. Incroyable. Oh, attendez, il y a une mouette. Attendez, attendez. Pardon. Je commence à devenir doué en chasse. Slurp. Ah, il monte. Comment calmer Elise?
consulter le mode d'emploi. Elisaya, page 46, comment calmer Elise? Mais tout va bien. Une pièce de fusil à pompe. Boup, boup. Elle est partie où, la mouette que j'ai flinguée? La mouette, elle s'est envolée, chef. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, elle est là. Je peux la loot? Je peux pas la loot, elle est trop haute. Elle a toujours été sadique, Elise. De quoi, moi? Faut pas le dire trop fort, Fred. Les gens, ils vont croire des choses, après. J'ai dit... Tu sais, j'ai une réputation à tenir. Oh, mais Théma, il y a plein de crabes. Hey, crabe! Putain, mais je peux. Je suis obligée de leur mettre des flèches aux crabes, je peux même pas leur mettre des coups de bâton. Enfin, des coups de piolet. Alors qu'en vrai, un coup de piolet dans un crabe. Mais t'avises pas le crabe qui gagne. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Il y a une géocache. On a pris. On est bon. Du coup, on a pas eu tous les champignons, je suis extrêmement triste. Bois. On peut toujours téléporter à d'autres endroits. Oui, c'est vrai, mais flemme. Grosse flemme. Hop, point de compétence. Putain, j'ai 2 points. Maîtriser. Oh, ça. Toujours pas possibilité de maîtriser. Prendre ça. Hein. Niveau de compétence spécialiste. Lara peut désormais apprendre davantage de compétences les plus puissantes. Je prends. Nice. Est-ce que c'est-à-dire que là maintenant, si j'appuie sur ceci, là il y a une carte au trésor. Qu'est-ce que... J'ai mis un point. Il est où ce point? Est-ce qu'il apparaît quelque part ou il est juste dans ma carte? Il m'a l'air d'être juste dans ma carte. Droit devant nous. Droit devant nous. Ouais, mais on n'y a pas accès à ce truc-là, en fait. C'est très con. Mais vous inquiétez pas. Ça sera un petit feu. De quoi? Comment ça, un petit feu? J'ai pas compris. J'ai pas écouté, surtout. Bon, si seulement tu lisais ton chat. Sans réponse à cette question... C'est de mettre les viewers au bûcher. Mais je vais pas mettre mes viewers au bûcher, après y'a plus personne pour regarder. Puis après ça baisse les stats, et vous savez que moi j'aime les stats. Eh hey, j'ai envie de dire, ça va, on est 5, hein, on peut faire le raid. On est 5? Incroyable. Mais écoute, si dans 2 minutes on est encore 5, on s'arrêtera et on ira chez Atta. Cric. Il faut que je trouve quelque chose de plus solide. Putain. Donc je dis, faut qu'on se fasse du Minecraft modé. Oui. Complètement. On va éviter de sauter là. On va récupérer ça. On va récupérer ça. Un petit peu de crate d'un côté. Un peu de Mine Colony de l'autre. Ah oh oui. J'aime bien Mine Colony. Je suis une madame qui aime beaucoup trop Mine Colony. J'adore Mine Colony. En fait, ne pas avoir besoin de construire les choses moi-même, je trouve ça extrêmement agréable. Parce que j'ai une flemme. Énorme. Putain, moi t'as mon côté dev qui ressort en mode bon, je vais faire une machine gigantesque. C'est ça. Pour pouvoir tout automatiser et rien faire. Évidemment. Le principe des devs, hein, de toute façon. Non, mais le principe. C'est une caisse. Le principe, le principe. Il y a un truc là-dedans. Oui, il y a un truc là. J'ai. Ross, je voudrais que je sois plus gentille avec Lara. Mais si je ne l'aménage Black pas... qui se dévoue. Blabla, mais si je ne l'aménage pas, c'est pour une bonne raison. Notre si coûteux navire et tout son équipage se dirige vers des eaux dangereuses uniquement sur la base de ses théories. Lara doit comprendre le poids de sa responsabilité. J'ai l'impression que tu oublies parfois qu'elle n'est pas ta fille. Personne n'aurait pris le risque de conduire l'Endurance dans le triangle du dragon sans une preuve tangible. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a convaincu. Elle est intelligente, je te l'accorde. Et j'admets que cette expédition a du potentiel. Mais on ne monte pas une expédition sur une intuition. Tu sais comme moi que rien ne se passe jamais comme prévu. Lara n'a aucune expérience. Si les choses tournaient mal, elle en serait responsable. Peut-être que tout ira bien, mais tant que nous ne serons pas rentrés à bon port avec un tas de reliques à étudier, je serai sur son dos. Eh ben, on n'est pas sortis, on aura Reyes sur le dos jusqu'à la fin du jeu, les enfants. Oh, pas grave, il est mort. Quoi, pas encore? Ah non, Reyes, elle est pas morte. C'est bien ça le problème. Bonjour les copains. Pas grave, tu vas la tuer.
Du coup, on va s'arrêter après la cinématique. Voilà. Alex va regretter d'avoir raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil. Alors, c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. Allons aider Jonah. Comment vous voulez que ça marche? Votre poulie, elle est pas axée correctement. On va pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de palan. Non mais pardon, mais je veux dire, leur corde, elle passe pas dans la poulie correctement. Comment tu veux? Ça marche pas? Ça marche pas? Dans ces cordages là-bas. Ça marche pas, chef? Sois prudente, Lara. Les calculs, ils sont pas bons, chef. C'est à cause de ton processeur. Et tout ça à cause de mon processeur. Parce que c'est lui qui calcule. Processeur, les calculs ils sont pas bons. Alors attendez, on va faire un bisou au feu de camp qui est là. Hop, pour être sûr d'avoir un point de sauvegarde. Voilà. Puis on va faire pouf. Retourner au menu principal, bien sûr. Hop. Pip, poup, pep. Ah mais moi je respire, moi tout va bien. Hop. Bip. Alors, là le plan, c'est d'aller chez Atta, tous ensemble, et de l'embêter un petit peu, en lui disant que je propose un CDI à Kerr. Voilà, un CDI modérateur à Kerr. Voilà. Hop. Non, parce qu'après tout. Mais Kerr t'a pas dit, il va bosser pour moi maintenant. Je vais proposer un CDI qui double son salaire actuel. Chiche, tu mets ça dans le chat avec nous. Genre moi je lui propose un CDI et toi tu lui proposes un CDI payé le double pour chez toi. Franchement, y'a moyen. Hop. Franchement, y'a moyen. Ah, attendez. Ça marchera pas pour moi, je stream pas encore. C'est vrai, mais après tu peux lui dire. J'ai toujours pas compté ce que je vais recevoir sur ce putain de PC. C'est pas faux, mais tu peux lui dire qu'une place l'attend à la seconde où tu commences. Donc bon. Bah, après, je sais pas si j'aurai des motos dès le début. Hein. Oh, okay. Genre ban des gens, ça me fait tellement plaisir. C'est vrai, non mais je comprends très bien. Je peux proposer une bon, idée, si, mais bien sûr. J'aurais pas de moto. Oui, mais moi je suis modératrice partout de toute façon. Moi, je snipe les gens de si loin. J'ai pas vu. Ah, t'es comme chien ! Je peux proposer une idée, que je donne ma place à Kerr. C'est vrai que tu peux. Ça peut être rigolo. Franchement, ça peut être rigolo. En plus, ils sont 4 chez eux. On est 5 ici. Il va être 9. Ça va être bien. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Est-ce que vous êtes prêts à aller embêter notre cher Atta, qui est actuellement sur Raft ? Dites-moi. Dès que vous êtes prêts, je lance. Et puis bien sûr, vous l'avez compris, ici on se retrouve demain 19h, comme d'hab. Voilà. Je sais pas ce qu'on fera, mais je pense que je jouerai avec toi, Fred, si t'es d'accord. Parce que j'ai envie de faire du multi là. Moi je suis pas du tout d'accord, attends. Ah, c'est bien ce que je pensais. Donc demain attends, on fera moi, du multi. Jouer avec toi. Ah bah ouais, non mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Quelle idée voilà. Terrible. Vous êtes prêts? Je vois zéro message dans le chat, ça me stresse. C'est prêt. Allez, je lance le raid. Ça lance le raid. 4 personnes, 5 personnes, c'est bon, vous êtes tous prêts. 6 personnes, wait. wait. Vous êtes prêts? Tsayo! Tata yo-yo!